Bonsoir, désolé du bruit un peu excessif de la cloche. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venus nombreux à cette séance du Conseil du mois de novembre de l'arrondissement d'Outremont. Et merci beaucoup aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent par visioconférence. Nous allons commencer cette séance et je vais demander d'abord aux conseillères de se présenter, puis aux gens de l'arrondissement qui sont avec nous. Donc, si je peux commencer à ma droite. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Caroline Brown. Je suis la conseillère dans le district Jeanne Sauvé. Bonsoir, Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis Valérie Patrou. Je suis conseillère du district Joseph Beaubien. Bonsoir à tous et à toutes. Mindy Pollack, conseillère du district de Claude Ryan. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, je vais céder la parole à notre directrice d'arrondissement, Madame Leblanc. Bonsoir, Marie-Claude Leblanc. Je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Est-ce que vous souhaitez que je présente les membres de l'équipe? Oui, avec notre invité spécial aussi. Oui. Tout à fait. Alors, à ma droite, Julie Desjardins, notre secrétaire d'arrondissement. Et Gerda Félicitain, secrétaire recherchiste. Devant moi, M. Meloche, directeur d'arrondissement adjoint, gestion du territoire, patrimoine et soutien administratif. Et merci d'être là, notre inspecteur Mathieu Durand, du poste 26. On a aussi les charmantes Mélanie et Nathalie derrière qui ont pris les questions citoyennes. Et puis Armel, notre technicien informatique, Simon, et notre nouveau technicien informatique, dont je ne me souviens plus du nom. Quelqu'un peut me le souffler? Non? Alors, notre nouveau, dont on découvrira le prénom bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Leblanc. Je vais commencer avec un mot d'introduction. Il faut commencer par parler du triste événement qui est survenu samedi, le 6 novembre dernier, donc le décès d'un jeune homme de 19 ans dans la nuit de samedi à dimanche. Un événement tragique et violent. Je pense que toute la communauté outremontaise est sous le choc. Nous voulons exprimer nos sincères condoléances à la famille de ce jeune homme. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances et trouver les coupables. Et comme nous avons indiqué, nous avons ce soir l'inspecteur du poste 26, M. Durand, qui pourra nous rassurer, expliquer le plan de match et répondre à vos questions. Alors, c'est collectivement que nous vaincrons la violence et que nous conserverons la quiétude ici à Outremont. Ce soir, nous allons vous écouter et répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Je vous demanderai maintenant qu'on se lève et qu'on prenne une minute de silence pour se recueillir sur la perte de vie d'un jeune homme de 19 ans, ici dans notre communauté à Outremont. Merci. Merci beaucoup. Ah, est-ce que on peut monter le son? Je pense que...
Est-ce qu'on m'en haut? Est-ce que... Non, un peu fort. Test, bonjour. Peut-être un peu moins. Un petit peu moins. Bonsoir. Oui, je vais me reculer un peu peut-être comme ça. Est-ce que ça c'est bien? OK, d'accord. Merci. Donc, l'arrondissement d'Outremont a débuté un diagnostic déjà il y a un certain temps afin d'améliorer la sécurité urbaine ici à Outremont. Donc, cette démarche est réalisée avec nos partenaires, table de concertation sectorielle, table de quartier d'Outremont, les parties prenantes, dont le SPVM et le CIUS. Donc, un plan d'action sera élaboré au début de 2023. Parallèlement, dans les mesures de sécurité qu'on prend, on investit dans la prévention chez les jeunes à travers la Maison des jeunes. Donc, ce soir, on vote une subvention de 15 000 $ pour ce projet de prévention et de travail de rue. Je suis aussi pour laisser savoir que presque tous nos chalets de parc sont munis de caméras et donc pour pouvoir surveiller et lorsqu'il y a des groupes de gens qui peuvent ou des méfaits qui sont faits. Nous avons ici donc Monsieur Durand pour qui expliquera les plans de sécurité, de prévention et de sécurité qui sont mises en place. Et nous avons aussi la sécurité publique qui patrouille 7 jours, 7 et les soirs. Je sais qu'il y a du porte-à-porte qui a été fait entre la sécurité publique et la SPVM ce matin ou hier matin pour répondre aux questions des gens. Mais ce soir, on écoutera vos questions et on répondra aussi le mieux qu'on peut. Juste mentionner qu'on va déposer quelques motions ce soir. Il y en a une sur l'urgence climatique qui encourage la conversion du chauffage vers les énergies renouvelables. Et je laisserai Mme Brand expliquer la motion. Nous avons aussi deux autres motions concernant la santé financière de l'arrondissement. Comme on sait, l'inflation en 2022 touche presque 7 % et elle était de presque 4 % l'année dernière, selon Statistique Canada. C'est-à-dire que toutes nos dépenses montent en conséquence. Cependant, les transferts de la Ville-Centre, qui représentent 65 % de nos revenus ici à Outremont, n'ont été indexés qu'à 2 %. Donc, il y a un manque à gagner considérable qu'on évalue à 800 000 $ sur les deux ans. Sur un budget que nous avons de 16 millions, 17 millions $. Nous aurions besoin de cet argent pour fournir des services à nos citoyens, des services de base même, sur de propriété ou entretien des parcs, pour ne pas parler de la transition écologique. Alors, la question se pose, quelle est la vision de l'administration Plante sur les arrondissements? L'argent parle toujours. Alors, pour le moment, le choix politique que la Ville-Centre choisit est de couper en dollars réels dans les transferts aux arrondissements. Est-ce que l'administration va continuer à couper jusqu'à l'étouffement complet des arrondissements ou puis les rendre des coquilles vides ou non? Est-ce qu'elle va ajuster le tir et les transferts pour que les arrondissements fournissent les services de proximité qui sont demandés par les citoyens? Devant ce fait, nous, c'est pour ça qu'on propose deux motions ce soir sur l'autonomie financière de l'arrondissement. D'abord, nous voulons demander à la Ville-Centre d'indexer dès 2023 et chaque année par la suite les transferts à la hauteur de l'inflation. Et ça, c'est donc la première motion. La seconde motion semble aller de soi aussi, c'est qu'avec le développement du campus 1000 du Nouvel Outremont, le territoire habité a augmenté de 13 % et la population aussi probablement va augmenter dans ces eaux-là aussi. Donc, c'est une situation unique ici à Outremont. Et bien sûr, ce développement entraîne une augmentation importante des infrastructures, des services nécessaires et aussi de l'entretien.
des services qu'on doit offrir aux citoyens. Donc, si la ville-centre n'ajuste pas les transferts, nous, on ne pourra pas offrir les mêmes niveaux de services à l'ensemble des citoyens. Donc, on demande ici à ce que la ville-centre ajuste les transferts à Outremont pour tenir compte de l'augmentation de 13 % du territoire habité. Donc, voilà pour les motions. Il y en aura d'autres aussi qui seront présentées. J'aimerais juste annoncer que depuis la semaine dernière, on a implanté la collecte des résidus alimentaires dans les 9 logements et plus, et dans les industries, les commerces et les institutions. Donc ça, c'est à noter. Je pense que ça a bien débuté, je pense. Et en tout cas, il y a encore de la sensibilisation à faire, mais je pense que les choses vont bien. Aussi, donc, à noter, il y a eu beaucoup d'avis à ce niveau-là, mais vraiment, il faut noter qu'il y a eu un changement d'horaire dans les collectes des matières résiduelles et des déchets. Donc, maintenant, le lundi, les collectes des déchets se font le lundi et les matières résiduelles se font le jeudi. Ça a été, je pense, décidé avec la ville-centre il y a déjà plus d'un an, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, voilà pour quelques annonces. Et enfin, j'aimerais annoncer aussi une bonne nouvelle. Nous avons reçu du gouvernement du Canada, par l'entreprise du programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, nous avons reçu un financement à la hauteur de 340 000 $ pour la mise en place du projet des communautés des ruelles. Et tout ça va se dérouler jusqu'en mars 2024. Alors, l'idée ici, c'est qu'à partir des communautés de ruelles et des comités informels qui se sont créés, et avec l'accompagnement de l'arrondissement, tout le monde qui participe va proposer des projets qui favorisent le dialogue, le rapprochement entre les communautés, la compréhension entre les communautés. Ici, donc, on parle bien sûr de la communauté outremontaise et de la communauté juive assidique outremontaise en particulier. Et on veut s'assurer, enfin, j'espère que ça va nous aider à s'assurer d'une collaboration, de l'harmonie et de la cohésion sociale. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui ont été instrumentales, si on veut dire, qui ont initié ce projet. Donc, j'aimerais remercier, bien sûr, Mme Leblanc, directrice de l'arrondissement, mais aussi José Turcot, de comité de ruelle, Mme Unterberg et M. Muller aussi, des communautés assidiques. Tout le monde a participé à ce projet-là qui a permis le financement de ce montant-là. Donc voilà pour moi, je vais laisser la parole donc aux conseillères. Je vais demander à Mme Brown si elle veut bien prendre la parole. Merci, M. le maire. Alors, je dois avouer que j'ai été vraiment ébranlée par ce qui s'est passé dans notre arrondissement. Comme vous, comme plusieurs d'entre vous, j'habite à quelques mètres de l'endroit où a eu lieu le meurtre. J'ai des jeunes enfants, c'est une victime de 19 ans, c'est choquant. Peu importe où ça se serait passé à Montréal, c'est terrible, mais ça se passe si proche de chez nous. J'offre mes condoléances, évidemment, aux parents, à la famille et aux amis de cette jeune victime. Sur une note un peu plus positive, je voulais souligner le fait que le 9 novembre aura lieu le dévoilement du timbre émis pour commémorer le talent, la beauté et l'héritage remarquable de Monique Mercure. Cette grande artiste était une résidente d'Outremont. Elle est décédée récemment. Comme M. le maire vous l'a annoncé, on va adopter une motion aujourd'hui qui s'appelle « Outremont chauffons vert ». En gros, pour le chauffage des résidences, le mazout et le gaz naturel sont responsables de près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre à Outremont. En début de mandat, on a formé un comité aviseur en urgence climatique et sur ce comité siège un expert et outremontais qui s'appelle Éric Saint-Pierre. Il a travaillé dans le cadre de ce comité-là sur un programme de décarbonisation des bâtiments dont le but est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, évidemment.
On a soumis ces recommandations-là à un groupe de travail sur lequel siègent 15 Outremontais et Outremontaises. Toutes les recommandations, évidemment, des experts dont fait partie Mme Patrou ont été soumises au comité, au groupe de travail. Et le groupe de travail a jugé que de diminuer la dépendance aux hydrocarbures était la priorité actuelle à Outremont. C'est dans ce cadre-là que... et puis, on sait évidemment que les nouveaux systèmes de chauffage au mazout seront interdits en décembre 2023, mais il n'y a aucune interdiction qui a été annoncée pour ceux qui étaient existants. On sait que les mesures incitatives ne sont pas suffisantes, donc c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé d'adopter notre propre programme qui va s'appeler Outremont Chauffons Vert. Dans ce cadre de ce programme-là, on va faire une campagne de sensibilisation pour informer les citoyens de l'importance de faire la transition énergétique. On va aussi dresser la liste de toutes les subventions qui sont offertes actuellement. On va tout faire ce qui est en notre possible pour faciliter l'obtention de permis et diminuer les coûts si c'est nécessaire. On veut aussi instaurer un programme de maisons certifiées Outremont Chauffons Verts. Donc, ceux qui auront fait la transition auront le droit à une petite certification. Et on va examiner tous les facilitants pour mettre en place pour encourager les énergies renouvelables, mais également pour l'atteinte de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, c'est vraiment un objectif qu'on s'est donné. Comme on veut également Outremont être un modèle, on va nous-mêmes évaluer nos bâtiments, savoir quelles mesures on doit mettre en place pour changer nos systèmes de chauffage. Vous allez voir aujourd'hui aussi qu'on va changer, on va amener un changement au règlement sur les tarifs et il va y avoir un changement au niveau des frais exigibles pour l'émission d'un permis d'abattage d'un arbre. Aujourd'hui, ça va passer désormais à 160 $ pour une demande de permis d'abattage et cette demande-là sera pour un seul arbre. Ça veut dire que si les citoyens veulent abattre plusieurs arbres, ils devront payer et faire plusieurs demandes. Évidemment, on espère que le nombre d'arbres abattus sera diminué et évidemment, on sait que limiter les abattages d'arbres est une mesure efficace pour lutter contre l'urgence climatique. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci beaucoup et bon conseil. Merci, Mme Brown. Donc, je vais laisser la parole à Mme Potvin. Monsieur le maire, alors bonsoir. Alors, je voulais juste vous faire parvenir pour dire un petit mot. Concernant le district Robert Bourassa, l'avenue de la Brunante, maintenant les travaux sont terminés. C'est une magnifique avenue qui a été assez longue, mais c'était des travaux très, très importants. Et je crois que les citoyens qui habitent sur cette avenue sont très heureux du résultat, et moi également. Également, le Saint-Joseph, on a au niveau de la sécurité, les stops à certains au coin de Kerb et Saint-Joseph. On a approché les stops pour que ça soit plus clair pour les autos qui descendent sur cette avenue-là et souvent, on oublie le stop. Alors là, ça a été rapproché de la rue, mais par contre, on va illuminer ces stops-là pour bien voir quand on descend en voiture que cette rue-là, il y a les gens qui n'ont pas manqué le stop parce que souvent, il y a des camions qui restent là et ça peut nuire un peu. Alors là, ça va arriver bientôt. Et il y a eu des modifications aussi à l'aménagement qui a été fait. Alors, on verra ça au printemps. Ça va être différent, un peu plus lumineux. Et également, au niveau sécuritaire, c'est la protection également de ces endroits-là. Et souvent, il y a des stops qui ne sont pas faits sur l'avenue Laurier. Alors ça, c'est un petit problème. Je pense que dans l'endroit, la circulation pour les cyclistes, il devrait peut-être y avoir un petit dodan à cet endroit pour vraiment qu'ils restreignent la vitesse sur Laurier quand on descend de Côte-Sainte-Catherine jusqu'à l'avenue du Parc. Ça peut descendre assez vite et j'ai été témoin de certains. Il y a eu une blessure une fois, mais quelquefois, on a passé près de certaines personnes. Alors ça, je crois que la sécurité, il faut y voir de près. Là, avec l'hiver qui s'en vient, évidemment, les trottoirs, il faut que ce soit vraiment bien déneigé et bien la glace également. Et pour pas qu'on... Parce que le climat change beaucoup et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais il va falloir être très patient, mais pas patient, mais en même temps, vraiment, là, que ça soit la priorité
pour les semaines et les mois à venir, dans les jours, les mois qui s'en viennent. Alors, je voulais vous parler de ça parce que je fais part beaucoup de la sécurité. Et je suis très contente aussi que déjà sur Val Norn, il y a une station où on peut voir maintenant la petite main pour dire que là, c'est les citoyens qui traversent et tout est arrêté. Alors ça, c'est vraiment une bonne chose à Outremont qu'on ait ce type de feu de circulation parce que ça manquait un peu. Les jeunes enfants qui s'en vont à l'école et la population qui est vieillissante, il faut faire attention. Et des personnes handicapées qui sont plus lents à traverser. Alors ça, là-dessus, je prends ça d'une façon très, très sévère de ce côté-là. Alors, je suis une piétonne avant tout. Alors, je regarde tous ces détails-là. S'il y a des questions aussi à ce sujet-là, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir. Merci, Mme Potvin. Donc, je vais céder la parole à Mme Patro. Oui, merci, M. Desbois. Donc, comme mes collègues, je tiens tout d'abord à faire part à la famille de la victime hier et à ses proches de mes sincères condoléances. Évidemment, c'est comme moi, mes voisins, on a tous été ébranlés par ce drame. Moi, j'habite très proche, juste en face du lieu où il y a eu le drame hier. Mes enfants, adolescents, jeunes adultes circulaient là samedi soir, et donc c'est très troublant dimanche matin de se réveiller et d'entendre ce drame qui a eu lieu. Les voisins, voisines, on était tous très ébranlés, et je suis contente de voir la police présente ce soir et de travailler de concert avec l'arrondissement pour améliorer la situation. Au niveau de la jeunesse, une des motions qui est proposée ce soir, c'est une motion pour la mise en place d'un conseil jeunesse à Outremont. Donc, à la fois la jeunesse, il faut en prendre soin, et il faut être à l'écoute de cette jeunesse. Donc, la vie démocratique, c'est un aspect fondamental, et elle doit se cultiver dès l'enfance et l'adolescence. Et donc, c'est pourquoi les jeunes qui sont les adultes de demain et qui connaissent aussi eux, les besoins, leur milieu de vie, les enjeux qui les préoccupent, c'est important qu'ils nous les partagent. Donc, ce soir, j'ai proposé cette motion de façon à ce que, en 2023, un conseil jeunesse prenne place à Outremont. Ce conseil aura comme un pouvoir de recommandation au conseil d'arrondissement d'Outremont et pour mettre en place ce conseil, l'organisme Concertation Montréal, sur lequel je siège au niveau du conseil d'administration, vient de publier un guide invitant tous les arrondissements et les villes liées au niveau de l'agglomération montréalaise pour simplifier la mise en place de ces conseils. Donc, il y en a déjà 8 sur le territoire de Montréal, et je suis contente qu'à Outremont, ce conseil jeunesse puisse également voir le jour dans les prochains mois. Aussi, vous avez peut-être ou pas pris connaissance du nouveau plan vélo qui a été dévoilé mardi dernier par l'administration de la mairesse Valérie Plante. Donc, pour Outremont, il y a des améliorations. La sécurité est au cœur des raisons de l'amélioration des pistes cyclables sur notre territoire. C'est principalement la piste cyclable sur Côte-Sainte-Catherine qui va être améliorée, sécurisée et prolongée au niveau des deux extrémités, donc à la fois pour mieux se connecter à l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et au sud, de correctement finir et rejoindre l'avenue du Parc. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle pour les Outremontaises et Outremontais, et je tiens à remercier ma collègue Marianne Giguère qui, depuis 5 ans, fait évoluer sur le territoire montréalais la sécurité et puis le mieux-être des cyclistes sur l'ensemble de l'île pour promouvoir une mobilité plus durable et douce. Aussi, il y a la COP 27 qui commençait hier.
C'est évidemment les changements climatiques, il y a besoin d'actions urgentes. Je suis contente qu'on annonce tout un programme de sensibilisation à Outremont. Et je tiens à mentionner de la part du Conseil des Montréalaises, la semaine dernière, elles ont publié un rapport pour une transition juste et féministe. Elles ont effectivement commandé une étude qui met en relief le fait que les femmes, notamment partout dans le monde, mais à Montréal notamment, sont plus victimes des changements climatiques que les hommes. Donc, je me permets de vous lire un petit extrait du rapport qui est disponible en ligne. Non seulement les femmes, et plus particulièrement celles situées à la croisée des oppressions, se trouvent dans l'angle mort des politiques publiques, mais en plus cette insensibilité au genre prive toute la collectivité de solutions transformatrices, bénéfiques autant pour la justice sociale que climatique. En effet, les rares études qui se sont penchées sur cette question montrent que les solutions envisagées pour répondre aux changements climatiques et aux catastrophes environnementales qui en découlent sont différentes selon le genre. Les hommes ont plus tendance à valoriser des solutions orientées vers le marché économique et les approches technoscientifiques, tandis que les femmes priorisent davantage les actions liées à la vie quotidienne. Donc, je nous invite à garder ça en tête et à garder cette notion de genre dans nos décisions. Et j'ai ramené un rapport de la part du Conseil des Montréalaises qui a demandé à le transmettre aux différentes parties prenantes. Alors, le voilà. Et je nous invite à le garder en référence dans nos décisions. Et enfin, je tiens à féliciter notre organisme familial d'Outremont, Outremont Famille, qui vient de remettre un chèque de 30 000 $ à la Fondation d'aide à l'Ukraine. C'est suite à la foulée des parcs. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, qui sont venues courir en famille en juin dernier. Ça a permis donc de remettre un chèque important à cette fondation. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Madame Patro. Donc, c'est de la parole à Madame Polak. Merci, Monsieur le maire. En premier, j'aimerais dire que mes pensées sont avec la famille du victime qui est décédé samedi soir. J'offre mes sincères condoléances aux familles du victime. Et je rappelle aussi que la violence n'a pas de frontières. Au 12.01 ce soir, comme le maire a mentionné, il y a le dossier. En fait, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est rare qu'on voit autrement dans une sommaire décisionnelle, dans un dossier du conseil, le mention de Sa Majesté le Roi du chef du Canada. Alors, c'est assez intéressant de le mentionner, représenté bien sûr par le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion. Ça représente quand même une importante somme d'argent qu'on reçoit. Je suis ravie de voir ce dossier. J'aimerais remercier bien sûr les services qui sont allés chercher l'argent et tout le travail que ça prend. J'espère aussi que l'argent va réellement être mis pour travailler sur le vivre ensemble. Et j'aimerais rappeler que ça ne devrait pas servir à stigmatiser certaines et que le racisme se trouve partout. Ça peut se trouver partout, pas juste dans certaines rues ou secteurs. Et je suis certaine que ça va être porté avec la nuance, la sensibilité, de façon constructive, bien sûr. C'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Et donc, j'ai hâte de voir le processus et les résultats aussi. Et bien sûr que l'info soit transmise à l'ensemble de la population sur ce dossier. Au 20.02, c'est aussi une autre bonne nouvelle, c'est l'embauche d'une intervention de proximité, donc dans le cadre du table de concertation, table de concertation jeunesse.
C'est ça. Donc, pour travailler aussi dans le sens du vivre ensemble, alors très contente de voir ces deux dossiers ce soir. J'aimerais aussi inviter les citoyens à venir au lancement du table de quartier d'Outremont. Donc, le lancement a lieu le 10 novembre, donc ce jeudi. Et ça sera à 19h au CCI sur McEachran. Il y a aussi le lendemain, le vendredi le matin à 10h45, le jour du souvenir, qui est une commémoration importante que Outremont a fait à chaque année. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Et dernièrement, il y a aux Galeries d'art une nouvelle exposition qui s'appelle « Destroyers ». C'est de l'artiste Mary Hayes. C'est jusqu'au 8 janvier 2023. C'est extrêmement intéressant et je vous invite à y aller le voir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Polak. Donc, on va passer maintenant au point 10.03. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 7 novembre 2022 à 19h, telle que proposée. Je propose. Un, deux. C'est mieux. C'est bon. C'est bon. Je propose. J'appuie. C'est votre commentaire, Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Polak. Pour. Je suis pour aussi. Donc, on passe maintenant au point 10.04, qui est la période des questions des citoyennes et des citoyens. Donc, je vais demander. Donc, on commence par la salle, puis ensuite, on passera aux questions qui ont été transmises électroniquement. On va passer à la première question. Je vais demander à Marc Poulin. Juste pour rappeler à tout le monde, donc, tout le monde a le droit à une question. Et ensuite, une question corollaire sur le même sujet. Oui, bonsoir. Madame Patro, lors du conseil d'août, vous avez accusé des citoyens, dont je suis, de mentir en affirmant que la condamnation pour discrimination politique du tribunal des droits de la personne émanait directement de la motion que vous avez votée et que le juge a déclarée discriminatoire. Conseil du mois de septembre, je vous ai demandé de substantifier vos accusations de mensonge et ou de vous rétracter, mais vous avez préféré continuer à souiller ma réputation. Au conseil d'octobre, j'ai demandé cette fois-ci au maire d'intervenir puis de vous rappeler vos devoirs en fonction de votre code d'éthique. Malgré tout, vous avez continué à persister à souiller ma réputation, allant même cette fois-là jusqu'à insinuer que j'avais menti en rapportant vos propos du mois d'août. Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire parce que tout ça, c'est enregistré. Alors, vous pouvez peut-être vous écouter au mois d'août dernier. On parle pour lui-même et que le conseil, les membres du conseil ont posé un geste de discrimination politique. Je vous remercie. Je ne suis pas fou. Pas tout à fait. Merci. Vous avez fait une interprétation, M. Desbois. Vous n'êtes pas juge, vous êtes. C'est complètement gratuit, votre commentaire. Madame, juste une lecture bien du sûr. Jugement. Ben, ce n'est pas une lecture du. Vous n'avez pas eu le jugement, là, et vous avez dit quelque chose qui n'est Madame, pas donc, dedans. Non, mais il n'y a pas de. Vous contribuez à colporter des faussetés qui sont rapportées par des gens. Je signale aux gens qui nous regardent et puis des gens qui sont dans la salle. Madame Patro, vous avez. Les personnes. Qui viennent nous interroger sont des gens qui se sont déjà présentés en politique, Madame Patro. Qui sont membres de partis politiques, Madame et qui Patro. Ne sont pas pour Projet Montréal et qui Madame, en permanence viennent déformer les informations. Bon. Donc, Monsieur Poulin, peut-être poser votre question. Parce qu'on a effectivement rétabli les faits, puis que quand vous m'avez accusé la semaine dernière, le mois dernier, d'avoir déformé vos paroles, je pense que vous pouvez les réécouter. Mais de toute façon, c'était juste pour mettre le point sur ça, parce que ma question va s'adresser à Mme Polak cette fois-ci. Parce que lors du dernier conseil, Mme Polak, vous avez pris la parole pour m'accuser de vous manquer de respect. Honnêtement, je ne pense pas jamais vous avoir manqué de respect, et ça, même si je m'adresse à une élue qui a délibérément enfreint son code d'éthique pour voter une motion discriminatoire.
Cela dit, il se peut que ce soit le cas. Alors, ce soir, je vous invite à expliciter votre pensée et je ferai mention honorable si c'est le cas, effectivement. Sinon, ben, je vais vous demander de vous excuser. Merci. Bon, les questions me sont toujours adressées donc, au président de ce conseil. Donc, mais je vais céder la parole si Mme Pollack veut répondre. Donc, il n'y a pas de réponse. Est-ce que je peux avoir une question corollaire. Oui. Mme Pollack, est-ce que vous trouvez acceptable qu'une élue profite de sa position à la table ici pour lancer des accusations gratuites et suivre la réputation des citoyens qui viennent poser des questions respectueusement? Encore une fois, la question m'est posée, donc je laisse céder la parole si Mme Pollack veut répondre. Non. D'accord. Merci, M. Poulin. Donc, la prochaine question, c'est M. Petitot. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Donc, avec la, il y a une nouvelle école primaire qui est prévue sur le parc du Mille. Là. Comment? Ah, pardon, excusez-moi. Je voulais savoir si une étude... Bon, cette école va forcément amener une augmentation de la circulation dans un secteur qui est déjà un peu saturé, on va dire, le matin. Et je voulais savoir si des études avaient été faites pour mesurer les impacts, un, de l'augmentation de la circulation sur les temps de trajet des gens qui habitent le secteur, sur la pollution liée à la pollution automobile tout simplement, et aussi au niveau du bruit, parce que bon, la pollution sonore est quelque chose d'important le matin, là, quand on sort de chez soi et qu'on a des décibels dans les oreilles, c'est épuisant. Alors je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient été menées. Quand je parle d'études, je voudrais savoir s'il y a des vraies études qui ont été menées avec des outils de simulation numérique, pour savoir avec des chiffres d'augmentation de pollution, si on rajoute 100, 150, 200 voitures, qu'est-ce qui se passe en termes de pollution dans ce secteur où il y a déjà il y a une école juive assidique juste à côté. On a le CCI avec des personnes âgées et des jeunes enfants qui y vont pour le patinage en saison. On a les garderies qui sont très proches. Donc, je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient été menées, mais précises, pour savoir quel va être l'impact de l'augmentation de la circulation sur ce secteur. Ce matin, c'est déjà... Ça sent les gaz d'échappement déjà le matin. Là, donc, si on rajoute 100, 150, 200 voitures... Qu'est-ce qui se passe? Comme vous savez, j'ai soulevé cette question de la circulation au conseil municipal, même ici, au conseil d'arrondissement, mais aussi au conseil municipal. Il y a clairement, il va y avoir une augmentation de la circulation sur Ducharme et probablement sur Thérèse Lavoro. Je pense que l'école ou le CPM aussi a mentionné... je pense une 150 voitures ou 200 voitures, en tout cas supplémentaires, donc à l'heure de pointe, donc tout le monde en même temps. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'études d'impact. Mais je vous inviterai à poser la question au conseil municipal ou à l'administration de la ville-centre, parce qu'elle aurait... Mais moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études d'impact sur la pollution en tant que telle. D'accord. Merci. Okay. Merci. Je vais demander à Madame. Donc, la troisième question, c'est Madame Jocelyne Provost. Bonjour. Bonsoir. Ma question concerne la suite du dossier de SNAC. C'est pas assez fort? OK. Là, ça va? Oui. Merci. Il y a un article qui est paru dans le journal concernant la suite d'une plainte qui a été faite par les citoyens concernant un usage illégal d'un édifice au 1450 Saint-Viateur. Il y a un article qui est paru dans le journal. M. Meloche a mentionné qu'il y avait une enquête en cours pour savoir si vraiment il y avait un usage légal, c'est-à-dire dans un endroit où ce n'est pas permis. On ne sait pas, on ne sait rien de plus. Ça fait des mois, pour ne pas dire des années, que ça fonctionne. On sait que des citoyens ont pu amasser des éléments de preuve concluants. On sait aussi que l'arrondissement a un travail à faire. Maintenant, on n'en sait pas plus. Où en est-elle? Quand on nous mentionne que l'administration municipale s'en occupe, que le dossier est actif, mais que c'est des dossiers qui prennent du temps... je conviens qu'une fois que c'est dans la machine de la justice, quand il y a une
une procédure qui était déposée, ça peut être long. Puis ça, on n'est pas imputable. C'est la machine de la justice auquel est confronté chaque justiciable. Mais plus on tarde, effectivement, à saisir le contentieux de la ville avec le dossier, moins ça va se régler. Et moi, ce que je constate, c'est que ça permet, pendant des années, à des gens de continuer à fonctionner de façon illégale. C'est comme s'acheter, effectivement, la permission de ne pas respecter les règlements de zonage. C'est un peu la même réflexion qu'on faisait dans des dossiers d'environnement autrefois. Ça prenait tellement de temps que finalement, pendant ce temps-là, ça se continuait. On va me dire, ben, la journée où on déposera un dossier, on ne sera pas imputable du temps, c'est vrai, mais il y a des procédures intermédiaires qui peuvent être prises pour arrêter un usage illégal en attendant que ça soit entendu sur le fond. Alors, moi, je m'inquiète, je n'ai pas eu de feedback. Ce que je lis dans les journaux, parce que j'ai lu les propos que M. Maloche a répondu aux journalistes, c'est qu'on ne sait pas où ça en est, puis on ne sait pas si ça avance. Et c'est le sens de ma question, ça en est où? Peut-on avoir de la transparence là-dessus? Si vous me dites l'enquête est terminée, on va soumettre ça au contentieux de la Ville de Montréal, d'accord, on sait que ça en est rendu à un point X. Mais comme c'est là, on est dans un flou artistique et ça ne me semble pas approprié pour une contravention qui dure depuis fort longtemps au règlement de zonage. Alors, c'est le sens de ma question. Ce n'est pas pour emmerder, mais c'est pour que justice soit faite de façon égale pour tout le monde. Merci, Mme Provost, pour votre question. Et donc, suite à, effectivement, un signalement citoyen, il y a une enquête qui a été ouverte ici à l'arrondissement. Et donc, le dossier est en traitement. Et je vais laisser, je pense, M. Meloche décrire peut-être davantage le processus. Donc, je vous laisse la parole. Oui, donc, peut-être juste pour rectifier l'adresse que vous avez dit au début, c'est le 1050 Saint-Viateur auquel vous faites 1450. Référence. Écoutez-moi, je ne suis pas bonne. C'est 1450. Hein? 1050 Saint-Viateur, juste pour s'assurer qu'on parle du même dossier. Donc, oui, effectivement. On parle du même dossier, voilà. Parfait. Puis on s'est déjà parlé. Donc, tout à fait, comme le dit M. le maire, il y a une enquête qui est ouverte. On est en train de faire les validations. On est déjà en échange avec le contentieux. Il y a un avocat qui est avec nous dans le dossier. On est en train de regarder quelles sont nos options, quelle est la meilleure voie pour faire respecter le règlement. C'est vraiment de ça dont il s'agit, là. C'est du respect du règlement de zonage par rapport à l'usage qui est exploité dans le bâtiment. Donc, on a été en échange avec l'avocat au courant des dernières semaines, puis on a une rencontre qui est prévue encore dans les prochains jours avec lui pour faire avancer le dossier. Donc, on en est là présentement. Je ne peux pas vraiment vous donner plus d'informations, mais vous pourriez déposer une demande d'accès à l'information, puis à ce moment-là, vous pourriez peut-être avoir le dossier, là. D'accord, mais effectivement, on peut faire cette démarche-là, mais peut-être pour l'ensemble ou pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens, c'est pas tout le monde qui va faire une démarche à l'accès à l'information, mais je comprends qu'effectivement, on peut suivre pas à pas en demandant les dossiers de l'accès à l'information, ce dossier-là, où vous en êtes rendu et quand il va y avoir une décision de saisir ou pas un tribunal. C'est ça? Pour votre information, oui, en gros, tout dépendant de la voie qui va être utilisée, on en a déjà parlé, là, s'il y a un recours en 227, entre autres, là, par rapport sur la loi de l'aménagement et l'urbanisme pour faire respecter le règlement, à ce moment-là, c'est le conseil d'arrondissement qui va saisir le service d'affaires juridiques de prendre tous les moyens nécessaires. Donc, c'est un dossier qui va devenir public, qui va être déposé ici en conseil. C'est une des options, mais on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut le faire en fonction de la preuve qu'on a présentement. Okay. Merci, Mme Provost. Merci. Merci. Donc, je vais demander à M. Pierre-Jean Élie. Monsieur le maire, les collaborateurs, moi aussi j'avais une pensée pour le décès de dimanche matin. J'ai une fille de 18 ans qui, durant la période de la COVID, sa vie sociale, c'était dans les parcs d'Outremont.
Alors, ça fait réfléchir. Mais ce dont je dois parler aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai été mis au courant avant-hier. Avant-hier, j'ai appris que le grand projet de condo au 1420 Mont-Royal, en haut de la rue Belleuil, Courcelette, Claude Champagne, faisait une demande de modification au zonage pour pouvoir permettre d'avoir un restaurant à 80 couverts et surtout une salle de réception pour 800 personnes. 800 personnes. Puis c'est drôle parce que moi, vendredi, j'étais à un événement où on était 913 au Queen Mary et c'était énorme. 800 personnes, ça veut dire 10 tables de 80. Ça veut dire également énormément de personnel pour couvrir ces choses-là. Moi, je trouve ça troublant qu'on n'en ait pas entendu parler davantage, sachant que c'est un quartier résidentiel à proximité de la montagne et on risque de dénaturer ça sérieusement. Puis je me permettrais de faire un commentaire également parce que les promoteurs de ce bâtiment-là, on ne peut pas dire que ça a été des citoyens qui nous ont frappés par leur discrétion. Ça fait 4 ans qu'ils sont à creuser dans du roc pour un terrain de stationnement. Ils ont causé des dommages sérieux à beaucoup de familles qui vivaient à proximité, beaucoup de gens qui travaillaient à la maison avec le télétravail. Puis je trouve que c'est culotté d'essayer de nous passer ça en plus de tout ce qu'ils nous ont fait vivre dans les 4 dernières années. Puis je suis étonné que du côté politique, parce que c'est à ça que vous servez, je suis étonné que nos intérêts puis les intérêts de la ville soient pas mieux protégés pour l'instant, du moins en apparence. Donc moi, j'aimerais ça savoir quel est le lien que vous avez avec les promoteurs pour que moi, en lisant ce qu'une voisine m'a appris il y a 2 jours, moi, j'aimerais ça savoir quelles dispositions vous avez prises pour qu'on dénature pas un quartier d'Outremont qui vaut la peine d'être protégé. Parce que 800 personnes dans une réception, à 11 heures le soir, une réception bien réussie, bien arrosée, vous ne viendrez pas me faire croire que ça ne peut pas créer des sérieux problèmes de voisinage. Quand on achète une maison à proximité de Laurier, de Bernard, de Van Horn, on s'attend à ce qu'il y ait des activités commerciales et le prix de la maison est en conséquence. Quand on achète une maison sur la rue Belleuil, Claude Champagne, Courcelette, Pagnuelot, on s'attend à avoir un minimum de quiétude parce que c'est une composante importante de l'emplacement de ces maisons-là. Puis il est certain que si ça devait passer ou avancer davantage sans qu'il n'y ait pas une plus grande représentation de toute cette histoire-là, il est certain qu'il va y avoir beaucoup de citoyens mécontents puis qui auront eu l'impression d'avoir été lésés par leurs politiciens. Donc, ma question, qu'est-ce que vous allez faire pour nous rassurer? Oui, absolument. Donc, d'abord, merci pour votre question, M. Lee. Je voudrais partager ce que vous avez dit sur les nuisances, sur le bruit qui a été un enfer pour beaucoup de gens autour du projet. Nous en sommes très conscients donc je comprends là, tout à fait d'où vous venez ou d'où les gens du secteur la réaction que ça peut causer.
Il y a tout un processus là-dedans que je voudrais décrire rapidement, mais il y a des étapes qui vont être qui vont arriver et où les citoyens et citoyennes peuvent, comme ici, exprimer leurs avis sur le projet. Donc le projet n'est pas comment je pourrais dire coulé dans le béton. Il y a un processus et je vais juste l'expliquer rapidement. Après que le considérablement conseil municipal est allé de l'avant au OK sur le projet, il a aussi en même temps mandaté l'Office de consultation publique de Montréal de faire une consultation publique sur ce projet, sur les changements. Donc, cette consultation est en cours en ce moment même. Donc, jusqu'au 17 novembre, je vous encourage à exprimer vos opinions à cette consultation publique. Il y a un courriel où on peut envoyer les commentaires, l'opposition, ou les commentaires sur ce projet même. Et je vais y arriver. Mais Madame Leblanc, c'est le courriel pour l'OCPM. Je sais pas si vous l'avez. C'est une adresse Internet, mais M. Élie, je vais prendre votre courriel par la suite, là, puis je vais vous l'envoyer. Attendez, juste un instant, s'il vous plaît, monsieur. Mais juste dire que ce qu'on va faire, c'est plus large, mais je voudrais juste peut-être compléter ma réponse parce qu'il y a plusieurs étapes. Parce que j'ai une question encore à l'air. Oui, oui absolument. Et donc, on va donner sur le site de l'arrondissement puis sur le site web l'adresse. Donc, rappelez qu'il y a une consultation publique et que vous pouvez vous exprimer. À la suite de cette consultation publique-là, la Ville de Montréal va décider, et ce n'est pas l'arrondissement d'Outremont, c'est la Ville de Montréal qui va décider s'il y a des ajustements à faire aux demandes qui ont été présentées. Donc c'est parce que la Ville de Montréal a la juridiction sur ce côté-là de près de la montagne et sur le zonage particulier de ce bâtiment-là. Mais donc juste pour compléter, puis je comprends. Mais vous savez, moi j'ai vécu là, j'ai racheté la maison de mes parents il y a 3 ans. Puis j'ai vu cet édifice-là passer d'un couvent hôpital pour sœurs à bâtiment vendu à l'Université de Montréal pour utiliser la vocation, médicale de cet édifice-là. Ensuite, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. L'Université a jugé que ça leur coûterait trop cher pour revitaliser l'immeuble. Et il se trouve que c'est tombé entre les mains de promoteurs qui ont décidé d'en faire des condos de grand luxe. Déjà là, c'était quand même un écart très important entre les attentes qu'on avait au moment où la communauté religieuse a dû vendre sa propriété et ce qu'on avait. Mais là, on se retrouve dans une situation où on parle d'événements à 800 personnes, pas à toutes les semaines, mais c'est des choses qui peuvent changer, il pourrait avoir du succès, ça pourrait plaire, etc. Moi, je suis étonné qu'on n'en ait pas entendu plus parler que ça. Puis ce que j'aimerais savoir, c'est que je sais que quand il y a des changements de zonage significatifs, il y a des formes de référendums qui sont organisés pour les résidents qui vivent dans le quartier avoisinant. Est-ce que vous êtes capable de me dire aujourd'hui qu'il va y avoir un référendum sur cette question-là pour que les gens qui seront touchés directement par ces mesures-là aient au moins le sentiment de pouvoir protéger leurs droits? Oui. Donc, absolument. Je vais juste terminer le processus parce que ça termine par la possibilité d'un référendum. Donc, l'OCPM va émettre ses recommandations. La Ville de Montréal décidera s'il y a des ajustements à faire. Et ça, c'est sujet à une approbation référendaire. Mais êtes-vous capable de défendre notre point de vue à titre de maire d'arrondissement que nous, on souhaite pouvoir se prononcer sur la question? Ben oui, absolument. La participation démocratique. Donc, vous allez être plus vocal à ce sujet-là maintenant.
la participation démocratique est une base là, de notre programme, mais même de l'affrontement de la société, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, il faudrait voir qu'est-ce qui est décidé. Je veux dire, il faudrait voir qu'est-ce que la Ville de Montréal va décider après la consultation. Est-ce qu'elle va changer complètement la vocation? C'est possible, je ne sais pas. Je ne peux pas présumer. Et donc, après ça, oui, mais il faut remplir certaines conditions pour avoir un droit d'initiative référendaire. Mais si les gens se mobilisent, il y a la possibilité d'un référendum. Puis, bien sûr qu'on accepte la participation référendaire là-dessus. Les citoyens pourront décider s'ils veulent aller de l'avant avec ce qui a été décidé par la Ville de Montréal. Parce que ce n'est pas nécessairement le projet initial qui est présenté aujourd'hui. Bon. Je vais laisser la place à d'autres, parce que je pense que vous allez avoir d'autres questions au sujet-là aujourd'hui. Merci, monsieur. J'aurais aimé dire, parce que je suis là-dedans depuis... J'aurais aimé parler. La prochaine question va à monsieur Lacerte. Bonsoir, Monsieur le maire, mesdames Bonsoir. Les conseillères. Je suis le deuxième à poser une question sur le sujet de la synagogue illégale que nous estimons être vraiment une synagogue illégale. Depuis 2018, le propriétaire du 1050 Saint-Viateur a aménagé illégalement une synagogue. Bien que seulement l'usage résidentiel soit permis. Ça fait 5 ans. Au cours de ces années-là, les services de l'urbanisme ont fait état des anomalies qui ont été rencontrées à cet endroit-là. Au fil des ans, il y a eu plusieurs plaintes de citoyens. En dépit de 86 interventions du service des inspections, l'ancienne administration de Projet Montréal n'a rien fait pour faire respecter le règlement de zonage. Alors, vous voyez, si vous n'avez rien à vous reprocher pour ça, vous n'étiez pas là. En février dernier, nous avons soulevé ici même dans cette salle la question de cet immeuble qui nous apparaissait clairement contrevenir à la réglementation du zonage. À ce moment-là, il y a 10 mois, M. Jean-François Meloche, directeur adjoint d'arrondissement, a ajouté qu'il n'était pas facile de prouver l'exploitation d'un usage non conforme. Ça prenait des preuves solides et une récurrence des actes illégaux. Aujourd'hui, nous sommes 10 mois plus tard et dans le reportage de l'agence QMI qui a été publié il y a une couple de semaines, M. Meloche s'est limité à répéter exactement la même chose qu'il y a 10 mois, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de prouver l'exploitation d'un usage non conforme. Ça prend des preuves solides et une récurrence des actes illégaux. L'administration... Je ne parle pas du conseil, je parle de l'administration, dit n'avoir rien vu au fil de ces années-là. Pourtant, moi, j'ai fait des demandes d'accès à l'information et dans les rapports des inspecteurs, on remarquait que ça semblait bizarre, à différents points de vue. Et pendant toutes ces années-là, le rabbin Horowitz et ses fidèles n'ont jamais même pris la peine de se cacher pour utiliser l'immeuble à des fins religieuses. Plusieurs fois par jour, les vendredis et les samedis. Au printemps, nous avons fourni, enfin, moi et d'autres personnes, avons fourni un dossier très fourni à Mme Leblanc, la directrice d'administration, et M. Meloche, comportant des preuves irréfutables de l'illégalité
répétée. Nous avons, pendant un mois, ramassé les preuves filmées, photographiques, pour déterminer qu'il y avait entre 120 et 150 personnes par jour qui s'y rendaient. Alors, il n'allait pas rendre visite au rabbin, là. Il rentrait, la porte était ouverte en bas, et ça rentrait. Maintenant, on nous a dit qu'il fallait que l'administration fasse ses propres preuves. On comprend, c'est toujours plus facile en faisant ça comme ça. Mais M. Meloche nous a dit qu'il avait entrepris les démarches et que les démarches avaient été complétées et qu'ils étaient arrivés à pratiquement aux mêmes conclusions que nous. Que c'était... C'est M. Meloche qui m'a téléphoné. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Ils devaient nous informer régulièrement sur ce qui se passait, sur ce qui se produisait dans le dossier, mais on n'a jamais eu de nouvelles. Il fallait toujours pousser. On ne demandait pas des choses qui étaient secrètes ou qui ne pouvaient pas révéler. Maintenant, quelles ont été les démarches formelles qui ont été entreprises depuis? Est-ce qu'ils ont fait parvenir des avis de non-conformité aux propriétaires de l'immeuble? Est-ce qu'ils ont donné des contraventions aux propriétaires de l'immeuble en raison du non-respect du zonage? Ont-ils exigé la fermeture du lieu de culte illégal? Ont-ils entamé des poursuites? On a encore là, vaguement, eu des mini-bribes d'informations. Mais c'est quand même extraordinaire. Ça fait 5 ans, mais vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Mais monsieur était là, madame était là pendant plusieurs années, et il a fallu que ce soit des citoyens qui prennent les choses en main pour fournir les preuves, pour qu'il se passe peut-être éventuellement quelque chose. La même chose s'était produite il y a 30 ans, 2 maisons plus à l'est, aux 10-30 Saint-Viateur. L'arrondissement, peu importe l'administration, peu importe les conseils, n'ont jamais rien fait. Et au bout de 30 ans, ils ont dit, bien là, on va faire quelque chose. Et évidemment, c'était trop tard, ça faisait 30 ans. Moi, ça fait 15 ans que je viens ici, 15 ans et un mois que je viens ici, tous les mois, sauf peut-être 6 ou 7 fois où je n'ai pas pu venir. Et je passe pour un gros méchant. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me téléphonent parce qu'ils ont peur de faire les démarches. Alors, on me demande de faire les démarches. Je l'ai fait, ça fait 15 ans. Je ne vivrai pas encore 15 ans, en tout cas, j'espère. Mais... J'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez faire, M. Meloche, qu'est-ce que ça va prendre pour que les choses se produisent? Bon, je... Oui, c'est à vous que je demande, oui. Mais... Non, je comprends, oui, oui, absolument. Mais je vais juste dire que, effectivement, l'enquête est en cours ici, là, donc il y a des choses qui se passent, ça, c'est pas, comme je dis, c'est actif, c'est important de rappeler le principe, là, on l'a dit au début, là, que le règlement s'applique pour à tous. Là. Donc, on prend toutes ces choses-là au sérieux. Que s'il y a quelque chose, nous avons même mis de l'argent de côté pour si jamais on doit judiciariser des choses. Là. Donc, on a mis 200 000 $ de côté de réserve dans ce cas-là pour des questions d'urbanisme. Donc, je vais laisser M. Meloche, il n'y a peut-être pas plus à ajouter que ça, mais je peux vous assurer que, M. Lacerte, que la demande, le signalement que vous avez fait et la demande est prise très au sérieux ici à l'arrondissement et que tout se fait là, du côté de l'urbanisme là, pour faire avancer le dossier. Là. Donc, oui. Ça, je peux vous assurer ça. Mme Pollack parlait du...
du bien vivre ensemble. Mais ça fait 15 ans que j'en parle du bien vivre ensemble. Et avec le avec l'accord de Sa Majesté le roi Charles III, vous allez pouvoir prendre 170 000 $ de l'argent des citoyens qui sont ici pour faire un travail d'antiracisme dans les ruelles. Moi, dans les ruelles, je ne savais pas qu'il y avait du racisme plus que dans les rues, ou je ne sais pas, mais c'est beaucoup d'argent. Je pensais qu'on n'en avait pas d'argent. Ça, alors, c'est c'est une subvention qui vient du ministère fédéral. Oui, mais la subvention, oui, mais il y a 170 000 $ sur les 340 000 qui viennent des fonds d'arrondissement. Non, non, c'est le 340 vient du ministère fédéral. Mais les surplus d'arrondissement d'Outremont de 170 000 $ c'est pas à nous, ça? Oui, Mme Leblanc, je ne sais pas. C'est que l'argent sera versé dans quelques mois. Ah. Alors, ça va prendre du temps avant de recevoir l'argent, mais on avance des surplus de l'arrondissement, mais ça va être remboursé lorsqu'on va recevoir l'argent de Patrimoine Canada. Alors, c'est pour ça que M. le maire indique que c'est vraiment une subvention, mais pour pouvoir réaliser les activités, on avance l'argent en attendant de recevoir le chèque. C'est une question de cash flow, là, temporaire. Bien, moi, le cash flow, je ne l'avais pas catché. Ouais. Mais là, je le comprends. Mais le bien vivre ensemble, Mme Pollack, c'est pas 340 000 que ça prend, c'est de la volonté. Parce que moi, mes enfants n'ont jamais pu jouer avec les enfants de la communauté hassidique dans nos ruelles, et je ne pense pas que personne ici a pu faire la même chose alors. Merci, M. Lazert. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Mme Isabelle Dubé-Côté. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames les conseillères. Je suis ici aujourd'hui parce qu'on est plusieurs résidents à être extrêmement préoccupés par la possibilité pour l'arrondissement d'octroyer un changement de zonage pour le 1420 boulevard Mont-Royal. On parle ici d'un quartier résidentiel qui ne le serait plus. Je veux débuter par vous dire que nous sommes quelques citoyens qui sont malheureusement restreints dans nos possibles interventions sur le sujet pour diverses raisons, et donc certaines personnes préfèrent ne pas s'exprimer pour l'instant. Pour ma part, mon intervention aujourd'hui se limitera à des questions rhétoriques. Alors, j'ai plusieurs questions, mais pas nécessairement besoin de réponses. Des questions qui résonneront surtout auprès de ceux des représentants qui étaient ici lors des dernières années, Mme Leblanc, M. Meloche, et qui ont été témoins lorsque des centaines de citoyens ont souffert des nuisances imposées durant la construction du 1420. Ils ont été témoins, et je cite même des membres de votre équipe, surpris et contrariés de l'incohérence des messages passés par l'entrepreneur auprès de la municipalité et des citoyens. Monsieur Meloche, je suis même surprise que vous ayez endossé la demande en décembre dernier. Le promoteur indique qu'il avait, dès les premiers actes de vente, inclus des clauses concernant le restaurant et la salle de réception. Est-ce que ce processus de consultation publique lancé par l'administration précédente est un réel processus démocratique? Pourquoi le promoteur incluait-il ceci comme argument de vente dès 2018? Nous avons relevé une quantité phénoménale d'incohérences dans la documentation fournie dans le cadre de la consultation publique. Des arguments qui doivent supposément soutenir une décision favorable à ce changement de zonage, des incohérences qui touchent même des incohérences flagrantes. Est-ce que vous avez fait vos analyses et le travail de recherche avant d'accepter d'aller de l'avant avec les premières recommandations en décembre? L'Ombudsman, qui a été impliqué sur ce dossier, qui est un des plus gros dossiers sur lesquels ils n'ont jamais été impliqués, a fermé le dossier concernant le promoteur sous des conditions dont 5 mesures phares et des mesures secondaires, notamment des mesures d'atténuation de trafic. Est-ce que l'ajout de jusqu'à 880 voitures, bon, peut-être même juste la moitié, suit ce plan selon vous? Avez-vous avisé l'Ombudsman de ce bris possible d'engagement?
Comment justifiez-vous que l'arrondissement commette deux fois les mêmes erreurs et ce, avec le même promoteur? Plus spécifiquement, comment l'arrondissement peut émettre des permis, sachant qu'il n'aura aucun contrôle sur ce qui se passera par la suite? Je fais notamment référence ici aux heures d'opération du restaurant et de la salle de réception, qui pourront être étendues jusqu'à 3 heures du matin, par exemple, et non le 11 heures prévu pour l'instant, ou la capacité qui régit par le cadre du bâtiment et pour lequel vous n'auriez aucun droit de regard. Est-ce que vous souhaiteriez être réveillé à 1 heure du matin par 800 personnes qui sortent d'une soirée bien arrosée? Monsieur le maire, des erreurs majeures ont été commises lors de la dernière administration qui a laissé les citoyens à eux-mêmes. S'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs. Merci. Merci pour votre intervention. Et évidemment, on est très préoccupés par les enjeux que vous soulevez, que M. Elie a soulevés sur l'impact que ça peut avoir sur le quartier. Si on regarde à partir de maintenant, qu'est-ce qui peut être fait pour changer le cours des choses? Il y a deux choses qui peuvent être faites. Il y a premièrement s'exprimer à l'Office de consultation publique de Montréal. C'est extrêmement important parce que vos voix vont avoir un impact sur le cours des choses. Donc c'est extrêmement important que vous vous exprimiez, que vous envoyiez vos commentaires à l'Office de consultation publique de Montréal parce qu'ils vont en tenir compte à leurs recommandations. Parce que l'acceptabilité sociale d'un projet est très importante. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ensuite, nous, à l'arrondissement, il n'y a pas de décision qu'on va prendre ici, si on regarde dans le futur. Parce que le cours des choses, c'est que c'est l'Office de consultation publique de Montréal qui va faire des recommandations suite à vos interventions. Attendez, je vais juste continuer. Ensuite, il va y avoir, c'est la Ville de Montréal qui va prendre en compte considération les recommandations de l'OCPM. Et ensuite, il y a un deuxième processus qui est le processus référendaire. Donc, il y a deux moments où on peut intervenir et exprimer son opinion sur le projet, ses préoccupations et ses inquiétudes sur le projet. Et je vous encourage à le faire. Oui, je comprends, mais on l'a fait il y a 4 ans dans le cadre des travaux. On a dû interpeller l'Ombudsman parce que les représentants ne faisaient absolument rien. On a dû se défendre tout seul, entreprendre des recours légaux tout seul, parce qu'il n'y a rien qui n'aboutissait. Alors, on a subi pendant ce temps-là. Donc, je veux bien croire, là, oui, on va exprimer notre opinion. Et il faut le faire parce que sinon, ce sera que de notre faute si jamais les choses passent. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on ait confiance en l'administration après avoir vu ce qui s'est passé avec des représentants qui étaient sur place et qui n'ont absolument rien fait, qui ont été témoins de ce qui s'est passé, qui n'ont absolument rien fait et qui ont en plus signé des documents au mois de décembre qui permettaient au processus d'aller de l'avant? Sachant, connaissant le promoteur, connaissant les liens tendus, connaissant tout l'historique du chantier, comment est-ce que quelqu'un comme M. Meloche peut même signer un document qui permet d'aller de l'avant? C'est incompréhensible. C'est juste incompréhensible. Donc, juste pour information, nous, on a déjà commencé les procédures, relancé les dialogues avec l'Ombudsman pour que l'Ombudsman redevienne impliqué. On parle de pétition parce qu'à date, l'arrondissement n'a absolument rien fait pour nous. Rien fait. Je vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là, mais je fais juste vous donner le contexte. Ouais. Les choses se sont calmées de par elles-mêmes parce qu'il n'y avait plus de roc à piqueter. Ouais. Point. Ouais. Effectivement, c'est arrivé avant que j'arrive, mais quand même, je vous écoute et je vois quand même une différence entre c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de processus formel lorsque vous interveniez. Là, il y avait le dialogue avec l'arrondissement et tout ça, mais ici,
Il y a un processus formel, là, donc l'office de la conseillère publique et possiblement un référendum. Donc, il y a possibilité vraiment de s'exprimer, de changer le cours des choses. Là, c'est déjà balisé, si on veut. Mais je vais peut-être demander à M. Moloche. Je veux laisser la place à quelqu'un d'autre de poser la question. Là, je sais qu'on va probablement avoir une réponse qui ne veut rien dire. C'est correct, mais je vais quand même demander à M. Moloche, sur le processus référendaire. Comment ça se passe lorsqu'on veut, lorsque c'est dans ce cas-là, par exemple? Oui, peut-être juste vous mentionner pour le processus référendaire. En fait, c'est que suite au rapport de l'OCPM qui va être déposé au Conseil, il va y avoir un deuxième projet de règlement qui va être soumis. Et suite à ça, il va y avoir la possibilité d'ouvrir des registres dans les zones qui sont limitrophes au projet. Donc, comme c'est la zone PB6 et toutes celles qui touchent la zone PB6 autour, et s'il y a un nombre de signatures suffisantes, il y aura un référendum sur la demande citoyenne. Je ne peux pas vous donner le nombre de signatures qui est nécessaire parce que c'est en fonction du nombre de personnes habilitées à voter dans chaque zone, mais c'est un processus qui va être géré par l'OCPM et la Ville-Centre. Et clairement. Qui vont nous informer? Madame, parce que vous pourrez venir poser une question si vous voulez, mais juste pour dire que donc s'il y a une mobilisation, Il y aura un référendum. Là, donc, c'est sûr qu'il y en a un. Donc, prévoyez tout de suite un référendum parce que c'est certain qu'ils veulent en avoir. C'est parfait. Et ça va être géré par l'OCPM. Oui. OK. D'accord. Merci. Merci. Donc, je vais passer la parole maintenant pour une question à M. Jean-Luc Mongrain. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonjour, membres du conseil et officiers municipaux. J'ai une certaine connaissance du monde municipal. Ma mère a été directrice générale et greffier d'une ville pendant plus de 25 ans. Je sais aussi, et je n'ai entendu parler toute mon enfance, que vous avez des responsabilités de proximité parce que vous êtes le premier gouvernement. Ce qui, cependant, m'a énormément surpris, c'est que cette proximité ne semble pas s'être fait sentir pour ce projet. J'ai appris accidentellement, il y a 48 heures, grâce à une citoyenne qui promenait son chien et qui a laissé du porte-à-porte des informations concernant cette assemblée de ce soir et ce projet de modification au règlement de zonage. Comme introduction, ça suffirait, parce que par ailleurs, comme citoyen, lorsque l'on fait affaire ici, il y a une complexité énorme et il y a plus de refus que de démarches qui pourraient nous amener à un référendaire pour un changement de galerie. Ceci étant dit, j'aimerais, comme gouvernement de proximité, que vous disiez, même si ce n'est pas de votre sort, Monsieur le maire, parce que ce serait la Ville-Centre, quelle position allez-vous prendre dans ce cas-ci? Et ne pas en prendre, c'est d'en prendre une. C'est-à-dire, c'est de ne pas considérer que nous vivons dans un quartier que nous avons choisi, un quartier que nous aimons, qui a sa quiétude, qui est un parc naturel en milieu urbain et qui viendrait à être véritablement trahi par ce projet. Ce projet, nous l'applaudissons si on pense à la qualité immobilière des valeurs pour les fonds que vous allez récupérer en taxes. Mais cependant, en changer la vocation, en faisant en sorte que cette modification au règlement de zonage soit de l'empiètement et de l'exagération promotionnelle, nous n'y sommes pas. Depuis hier, par hasard, j'ai parlé à Madame ici, la conseillère, Madame Poitvin, et nous étions une dizaine déjà de citoyens qui disaient que c'était impensable que ces choses arrivent. Une seule partie de football au centre de l'université amène des stationnements jusqu'à la rue Duchâtel, tout le long de cette rue Mont-Royal et bien au-delà. Si c'est ça le contrôle des véhicules, si c'est ça le vouloir baisser les GES, si c'est ça vouloir avoir une quiétude, il y a là, à mon point de vue, une trahison fondamentale. Non seulement pour ceux qui y habitent depuis longtemps, pour ceux qui y sont et ceux qui voudront venir y vivre. Et ça, ça aurait une influence même sur la valeur de nos propriétés. Je ne veux pas être mercantile quand je dis ça, mais je ne voudrais pas payer le prix de quelqu'un qui veut faire commerce avec sa résidence. Pourquoi ne vous impliquez-vous pas et pourquoi ne nous dites-vous pas ce soir, nous comprenons et nous sommes d'accord avec la démarche que les citoyens vont faire, parce qu'il va y avoir mobilisation, Monsieur le maire, soyez-en assurés.
nous allons nous en occuper. Ben, c'est clair, oui. Bravo. Je vous dirais bravo. C'est clair que le premier principe quand on est arrivé ici au pouvoir, c'est qu'on écoute les citoyens. Donc, on vous entend, on vous écoute. Et toute position qu'on va prendre doit assurer une quiétude du quartier, un maintien de la quiétude et de la mission, de la vocation de ce quartier-là et des rues avoisinantes. Il y a clairement une volonté là, que vous exprimez, qu'il faut entendre. Et nous, on va voir comment on peut articuler ça de notre côté auprès d'instances. Je peux vous dire aussi, parallèlement à ça, que vous avez parlé de circulation de stationnement. Donc, nous, on est en processus de révision de tout le stationnement dans Outremont. Et cette zone-là autour du bâtiment va être protégée, c'est-à-dire qu'on va assurer la priorité au stationnement aux résidents, bien sûr, et les places de stationnement seront limitées. Je vois pas comment 800 personnes... C'est pas le seul enjeu non plus. Non, tout à fait. C'est pour ça que je dis parallèlement. OK, d'accord. C'est parallèle. C'est pas l'enjeu principal, là, je comprends très bien. Mais on vous entend. Mais j'aimerais vous entendre aussi, à savoir quelle serait votre position. C'est ma dernière question. Oui, mais ma position, elle est claire, c'est que... Vous voulez pas parler contre la ville-centre? Oh non, je peux parler contre la ville-centre. Je pense que l'opposition sait très bien que je peux parler contre la ville-centre. Bon, alors. Mais ici, je peux, oui, absolument exprimer les positions à la ville-centre. J'ai l'habitude de le faire très, très souvent au conseil municipal. Vous nous demandez, faites-vous entendre. Oui. Faites-vous entendre. Oui. Parce que le consensus social est majeur dans un tel projet. Oui. Mais vous avez sollicité notre confiance pour nous représenter. Oui. Alors, j'aimerais savoir ce que vous allez dire pour nous. Bien sûr que je peux représenter et expliquer que c'est une zone, un quartier très tranquille, très, avec beaucoup de quiétude, très résidentiel, donc qui a un changement potentiel de vocation, parce qu'on ne connaît pas le résultat final, on ne connaît pas les décisions finales. On s'entend, donc, mais en politique, des fois. Il y a tout un processus, mais... Moi, je peux dire ça, mais si vous le dites, ça a beaucoup de poids aussi. Je ne voudrais pas minimiser. Il faut y aller tout le monde ensemble. Croyez-moi, on va se faire entendre. Oui, très bien. Au-delà du quartier. Non, très, très bien. Écoutez, c'est la démocratie. Je vous encourage absolument à vous exprimer, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, de votre sens de l'engagement, parce qu'il n'y a aucun de nous qui a mis son nom sur un poteau pour être représentant de notre quartier. Merci de votre engagement. Merci, monsieur. Je vais demander, donc, la prochaine question est à Marc Leroux. Bonjour, messieurs, mesdames. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous féliciter. Je pense que ça fait un an ou à peu près jour pour jour que vous avez été élu. J'allais vous dire mes sympathies. Madame Leblanc, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'exprimer sur la 14/20, mais je serai bref parce que je pense que les préoccupations comme telles ont été exprimées par les gens qui m'ont précédé. J'aimerais, par contre, poser des questions très précises. Je veux vraiment comprendre techniquement ce qu'on doit faire. Et avant, j'aimerais quand même vous faire comprendre, je suis très déçu de l'absence de transparence de la part soit de la ville-centre ou de l'arrondissement relativement à cette situation, qu'on l'ait appris à peine deux jours alors que le processus était engagé longtemps. J'encouragerais la municipalité de communiquer les changements et les événements qui se produisent auprès des citoyens, surtout ceux qui les concernent. Je pense qu'un événement comme celui-là, qui nous concerne tellement, on aurait dû le savoir il y a longtemps, faire valoir nos points, peut-être même on n'aurait pas perdu notre temps ce soir là-dessus.
Deuxièmement, en ce qui a trait sur le plan strictement technique, on a parlé de l'office de consultation, n'est-ce pas? Alors, si j'ai bien compris, tous les citoyens, pas seulement monsieur ici, vont pouvoir s'exprimer, vont avoir une adresse courriel pour s'adresser à l'office de consultation. Est-ce que c'est exact? Oui, alors... C'est exact. Alors, ça va être sur le site de la ville, c'est bien ce que j'ai compris. Oui, alors, je vais laisser peut-être les technicalités, mais je voudrais juste vous dire... Juste rapidement, je vais juste dire un petit mot, parce que j'ai suivi les deux dernières rencontres avec l'OCPM, et là, on a la date limite. J'ai été surprise de la dernière rencontre, le 31 octobre, il y avait seulement une question. Je m'attendais à être là pendant jusqu'à 22 heures le soir. À 20 heures, c'était terminé. J'ai été surprise de ça. Alors... Personne ne le savait, madame. C'est ça. Moi, en tout cas, je l'ai su, là, parce que j'ai lu, mais... Alors, concrètement, dire, c'est ça qui est malheureux, si vous ne l'avez pas su, puis vous avez raté cette partie. Par contre, vous avez jusqu'au 17 novembre... Alors, je répète ma question. Voilà. Sur quel site est-ce qu'il va y avoir une adresse courriel? Précisément, j'aimerais une réponse spécifique, monsieur le maire. On va vous répondre très spécifiquement, mais je voudrais juste dire une chose avant de laisser... laisser, parce que c'est important ce que je voudrais dire, juste une phrase. C'est qu'effectivement, je pense qu'on doit dire qu'il y a un manquement de communication. Ça, je pense qu'il faut le dire, parce que clairement, si vous n'avez pas été informé d'avance, il y a clairement un manque de communication de la part de l'arrondissement ou d'autres instances. Dans ce dossier-là, j'en prends acte et on va faire les modifications nécessaires là, qu'il faut aussi. Je répète ma question. Oui, alors je vais laisser Mme Leblanc répondre à votre question avec le courriel exact pour faire les commentaires. Alors, c'est le site Internet de l'OCPM. Puis comme vous l'avez dit, là, on va faire les communications sur notre site Internet. On va faire aussi post Facebook. Mais je le dis, puis je pourrais aussi le répéter là, pendant la pause, là, si vous avez besoin. C'est ocpm.qc.ca, /fr, /1420, Mont-Trait-d'Union-Royal. Alors, mais pas de souci, Non, mais on va le mettre, on va le communiquer de toutes les façons qu'on peut, par écrit, là, pour que vous puissiez l'avoir. Est-ce que ça serait possible d'aviser tous les citoyens du secteur de cette réalité puis leur donner cette information, s'il vous plaît? Si je peux me permettre, il y a eu un dépliant qui a été envoyé à toutes les portes. Mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas reçu. Moi-même, je suis résidente d'Outremont et je l'ai reçu, le dépliant. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas reçu. Je vais faire des validations avec l'OCPM... concernant le dépliant. Okay. Alors, c'est grave, là. Monsieur le maire, c'est grave, là. C'est pas drôle, là. Ça, c'est un dépliant de l'OCPM, mais effectivement, il faudrait que ce soit plus détaillé. Là, il y a un manque de communication aussi, je dois le dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour aviser tous les citoyens de cette situation et de leur dire comment réagir auprès de l'OCPM, s'il vous plaît? Précisément. Donc, je sais que vous êtes sympathique, là, mais j'aimerais avoir une réponse précise. Oui. Je pense que... Est-ce qu'on a la possibilité de refaire une distribution? Je vais vous laisser parler, Mme Leblanc, sur les technicalités, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour communiquer vraiment à la population. On pourrait refaire un avis aux résidents, résidentes, avec les informations pertinentes, là, comme on vient de discuter avec l'adresse du site Internet pour que tout le monde puisse l'avoir sous la main. Et d'écrire aussi les enjeux, parce que je pense que c'est un point que... Oui, de le faire dans les prochains jours, absolument, oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est... Ça, c'est lequel site Internet, ça? C'est l'OCPM? OK. Ben, je sais pas. En tout cas, je pense que la meilleure façon de communiquer, c'est vraiment un avis porte à porte qu'on donne aux gens. Je pense que pour rejoindre les gens, c'est la meilleure façon. Donc, dans les prochains jours, il faudrait que ce soit assez rapide parce qu'on a jusqu'au 17 novembre.
Alors, ça m'amène à ma question suivante. Une fois qu'on aura visé l'OCPM, quel est le processus qui mène à un référendum? Oui, OK. Par la ville-centre, je comprends. Là. OK. Puis, oui, absolument. Donc, lorsque l'OCPM, après avoir entendu les avis, les commentaires des citoyens, citoyennes, va faire des recommandations. Donc, soit accepter, ne pas accepter, faire des modifications au projet, etc., etc. Et ensuite, c'est la Ville de Montréal qui décidera du projet final. Donc, ça ira à la Ville de Montréal. Et lorsque la décision sera prise, là, il y aura la possibilité de demander un référendum. Alors, comment techniquement on peut demander un référendum? C'était la réponse de M. Meloche tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a, il faut qu'il y ait une, évidemment, il faut qu'il y ait une mobilisation. Mais les détails, là, je peux encore les laisser à M. Meloche. Alors, ma question, vous pouvez deviner quelle elle sera. Est-ce qu'on va être informé des résultats de l'OCPM ou est-ce que ça va se faire quelque part dans la brume? Ça va être perdu, on ne saura jamais. Non. On va s'assurer que, encore une fois, parce qu'on a appris, on apprend sur la communication. Donc, on va s'assurer que tout le monde soit avisé des recommandations de l'OCPM. Donc, on s'assurera, Mme Leblanc, on fera une communication, peut-être des avis porte-à-porte aussi, enfin, ce qui est le plus efficace pour informer les gens. Et ensuite, là, il faudra suivre ce que la Ville de Montréal va décider, puis ensuite demander un référendum si les résultats ne sont pas concluants. Là, pour... Je vous remercie, M. le maire. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, je voudrais juste... Merci. Je voudrais aviser que les règles ici à l'arrondissement, normalement, on pose trois questions maximum sur le même sujet. Là, j'ai laissé une quatrième question sur le même sujet parce que je comprends que c'est un sujet qui inquiète ou qui préoccupe beaucoup de citoyens. Mais je pense que pour l'instant, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez toujours les envoyer à l'arrondissement, Mme Leblanc, M. Meloche, qui vous répondront à ce sujet-là, sur cette question du 14-20. Donc, on va... Oui, je suis très conscient, oui. Non, tout à fait, je comprends tout à fait, je vois tout à fait qu'il y a beaucoup de questions, de préoccupations. Non, je peux, mais oui, je peux. Non, c'est ça. Non, c'est ça, d'accord. On va faire une exception à la règle, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de gens... qui sont préoccupés par cette question-là. Donc, on va laisser... on va vous laisser vous exprimer là-dessus. Là. Je pense que c'est effectivement c'est important. Là. Ouais. Ouais. Monsieur le maire, on doit prolonger la période de questions. Oui. Donc, on... Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Oui, je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour aussi. Si vous pouvez poser votre question, mais après, juste après les questions ici. Oui, excusez, juste, parce qu'il y avait un ordre dans les questions. Donc, on est, non, Marc Leroux, donc je pense que Marc Leroux vient de poser la question. Donc, on va passer à M. Steve Cohen. Bonjour. Bonjour. Hi, I'm going to express myself in English, a little bit better in English. I just found out about this about 48 hours ago. I was a little frustrated because, like I was saying before, to advise us that there's a new rule to pools and gates, you guys knew how to send us a piece of mail sent directly to our name. I have a sticker on my mailbox that says no paper, no journaux, no nothing. So therefore, if you do want to communicate with me, if it's not personalized to my name, I won't get anything. And for me, I've been living in Outremont for 9 years. I chose Outremont over Westmount because it's a beautiful place. The park is beautiful. The kids play. I mean, the walks are fabulous. And my question today, is there a way when there's big issues like this,
to communicate directly to at least the people that it affects. I understand your budgets are slim, but at least the residents of the mountain, where it affects us directly, is there a way for you to send us a piece of mail to our name? Obviously, you know who we are. We get a piece of mail, right? So that's my question to you guys. Is it possible when there's something major based on where we're living, and I think this is pretty much major because it's going to change our lifestyles forever, change the value of our homes, change the resale values. So it's pretty major. Is there a way for this thing, the next ones that are major, to be communicated directly to us? I think you're right. I think we need to revise our means of communication. Obviously, the communication was not successful so at all. So we have to take note of that and to improve our means of communications. And I don't think budget should be an issue in this case, because communication is key to democracy. And I think we have to make no compromise on that. Absolutely. And my second question is that with the last mayor, we were highly disappointed with him over the parking. And I feel like a beaten up dog. We came, we rallied, we expressed ourselves in numbers times 10. And at the end, we weren't heard. For me as a citizen right now, I don't believe that there's going to be something that's going to happen. I don't believe in democracy here anymore. I believe that at the end it's going to get done and we're going to be stuck with it. Could you ensure that we will not get stuck with this like we got stuck the parking situation? Well, I mean, at least a commitment. You're a mayor. Yeah. I mean, we voted for you. I voted for you because I wanted a change. Thank you. So are you going to stay mayor this time around, or are we going to change next time around for someone that's going to listen to us? That's for you to judge. Is that and pretty I hope, fair? I hope I'll be a good mayor. I hope so, but, too. Obviously I wasn't there before on the parking issue, but we do believe in consultation. I mean, we are revising right now, like, the whole parking exactly the parking situation and plan, and we're consulting people street by street, even like tronçon par tronçon of a street. So we are communicating with and listening to preoccupations. And so in this case, what I can guarantee a process. As I said, we are not part of here at the council. We're not part of the decision making right looking forward. In this subject, it's but there's a process, and as I said, the Office de Consultation Publique de Montréal, where you can comment and when you should comment. But we don't know. I don't know how yes. to do it. We're going I mean, to. I just learned about this 48 hours ago. Right. I don't know what to look on. I don't usually do these things, but when it affects my home, I do. Right. But I mean, what website? What do I click on? Where do I say yes? Where do I say no? Yep. I have no information. Send me a letter to my house. Send me. Yeah. Obviously, you don't have our emails. Yeah. Let's do something formal. Let's make a difference. I'm stuck with the parking. Paid over, I think, 20 plus tickets for the people who came to my pool this summer. But this time, I mean, I just don't. I'm not going to let this one go. No, and you shouldn't. And what we promised to do, actually, just a question previously, is that we're going to communicate how you can express your opinion to the Office de Consultation Publique de Montréal. How would you be sending that? And so we were talking about putting des avis écrits. In your case, if you don't accept that, it's because if I take away my sticker for junk mail, because I don't want too many newspapers, I mean, I got to wait by the mailman and wait for your letter. Yeah. I mean, why can't I get it just like the règlement de piscine for 2025? I get it to my name. This is important. If I remember correctly, that the letters that are sent from the borough are not considered junk mail. Yeah, so you should receive them normally. Ça, je comprends.
je comprends, et ça, c'est une question à poser au Poste Canada. Mais à ma connaissance, je veux juste rassurer monsieur que ce n'est pas l'étiquette « no junk mail » qui prévient ça. C'est sûr. Absolument. Absolument. Donc, un, de faire un nouveau avis avec les détails sur la communication. Je vais laisser la parole à Mme Leban, mais juste un, c'est ça. Et je vais laisser la parole. Mais deux, on va faire sur notre site web et sur notre page Facebook, il y aura tous les détails sur comment, avec les sites, le bon site pour s'exprimer à l'OCPM aussi. Je vais laisser Mme Leban prendre le relais là-dessus. En plus de toutes les mesures qui ont été annoncées par le maire, là, on va faire, comme on l'a indiqué, la distribution porte à porte. Je vais laisser une feuille avec un crayon, pardon, pour que vous puissiez mettre votre courriel. Fait que je vais vous envoyer aussi les informations par courriel. Mais madame, le problème, c'est que la plupart de nous, on l'a su il y a 24, 48 heures, 72 heures. Il y en a beaucoup plus de citoyens. Est-ce que vous voulez que je fasse du porte-à-porte? Non, mais nous, on va se charger du porte-à-porte. Fait que puis je vais faire aussi un suivi avec l'OCPM parce que c'est pas normal que les gens aient pas reçu l'information. On va faire du porte-à-porte de l'arrondissement et je vous propose de vous envoyer les infos. Vous avez juste à mettre votre courriel sur la feuille. Je pense que c'est important parce que je veux pas... I don't want to throw my dirty laundry, but at $38,000 of taxes... Plus, I mean, je ne vais pas faire du porte-à-porte. Non, 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 non. Je paye assez de taxes. No, we will do it. That's not including my school tax. We're not asking you to do that. We're going to do that by giving the avis public, the avis with all the information on every door by Post Canada, which will, do that. And also, we're going to put it on the website. We're going to put all information on the, Facebook website, et cetera. I think the mail would be the best thing. Because when it comes to your name, I mean, you open up the mail. I mean, it came to Sécurité Publique, pool. We opened it. It was formal. We took great attention to it. Yeah. So this... oui, allez-y, madame. Unfortunately, it would be too... Too long. It would take at least 2 to 3 weeks to do that. We can do that looking down the road for other situations. But for now, we will do it porte à porte avec notre fournisseur approprié. Le fait qu'on va vraiment s'en occuper. Okay. So to go faster, we'll use a service that will put it on every door. Yeah. Monsieur Yvon Demel. Bonsoir. C'est ouvert, ça. Non, toujours pas. Oui, on vous entend, oui, merci. Bon, je présente mes salutations au conseil. J'ai une question, elle est simple. Y a-t-il des caméras dans le parc John F. Kennedy? Non? Il y a des caméras dans plusieurs parcs, mais Mme Leblanc, dans le parc Kennedy? Il n'y en a pas encore. Est-ce qu'on peut mais l'engagement qu'on a pris, là, c'est d'en mettre dans tous les parcs, dans les chalets de parcs. Tous nos nouveaux sont équipés de caméras, alors le parc John F. Kennedy le sera éventuellement. Alors, je peux compter que c'est quelque chose qui va venir. Oui. Là. Oui. Ah, OK. Bon, ça me satisfait. D'accord. Parce qu'on a station de métro, il y a la passerelle qui fait à peine 2 ans qu'elle est ouverte. Ce qui signifie qu'après 10 heures, 11 heures, bien, la délinquance, elle, vient sur ce côté-ci. Mm. Parce qu'autrefois, c'était barré, ça. C'est pas tous. Mais il y en a, là. Ça fait un petit crack dans le parc. Ouais. Moi, j'habite au coin. L'été, c'est... On les entend. Ça crie, ça chamaille. Puis là, à peine une journée, c'est la pire que ça. Ouais. Donc, les caméras, effectivement, vont être ajoutées. Puis aussi, on demande à la sécurité publique de passer
en soirée dans les parcs là, pour s'assurer, mais bon, ouais, mais quand, lorsque la sécurité part et les gens ça reviennent... Ça fait 5 mois que je suis là, 7 ans, et puis ils passent vite. Je les ai vus leur dire, vous en allez, mais eux, la patrouille, elle ne revient pas. On ne les voit pas avant les petites heures du matin. Et eux, ils reviennent et ils font du bruit encore et tout ce qui vient avec ça. Hein, la grosse fumée de vapoteux, mais qui n'est pas de la vapote, là. Qui, en plus, si nous, nos fenêtres sont ouvertes, ou même avec un air conditionné, la craque, là, ça va loin. Ouais. Puis là, on est obligé de respirer ça. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça. On peut c'est très familial, ce coin. Oui, ouais, tout à fait, oui, c'est très familial. C'est pour ça, les caméras, ouais. Moi, je n'étais pas au courant, je n'ai jamais vu. Donc, les caméras vont être là, mais aussi, peut-être qu'on peut profiter de la présence de M. Durand, du poste de police, de la SPVM, voir qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là dans le parc Kennedy. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, à notre niveau, monsieur, je comprends, vous mentionnez plusieurs choses, plusieurs incivilités dans ce parc-là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Donc, vous mentionnez plusieurs incivilités là, au niveau de ce parc-là. Il y a quand même une responsabilité aussi des citoyens de communiquer avec le 911. Moi, j'ai vérifié et je n'ai pas beaucoup d'appels qui sont placés au 911 de la part de citoyens. Vous comprenez que la patrouille, on en fait, on fait du mieux qu'on peut, mais malheureusement, il faut que les citoyens aussi dénoncent les situations comme ça pour qu'on puisse se déplacer en temps rapide et intervenir dans ces cas-là. Donc, sans dire que vous devez faire la job police, c'est important pour les citoyens de le dénoncer, pour nous le signaler, pour qu'on puisse prendre action. Et malheureusement, ce que je constate, c'est qu'on n'a pas énormément de dénonciations dans ces cas-là. Ça, je trouve ça dommage. Enfin, mais je vous comprends, sauf qu'on va le noter, on va augmenter la patrouille, parce que là, je comprends qu'il y a eu plusieurs incidents cet été. Mais d'un autre côté, j'encourage les citoyens qui constatent des choses à communiquer avec le 911. Pardon? Ça fait très longtemps. Bien avant la COVID. Puis, j'ai connu quelqu'un qui est décédé présentement, une femme âgée, puis elle allait dans le parc, puis elle leur disait de s'en aller, puis tout. Alors, la situation était pénible quand même. Mais là, c'est encore pire, à cause de la passerelle, c'est quelque chose de nouveau. Il y a déjà que le poste de la station de métro, c'était déjà terrible. On le sait que, on connaît cette formule-là, on sait que station, parc, ouais. Mais là, plus la passerelle, on ne sait même pas s'il y a, ben, il y a des caméras à la passerelle, mais c'est qui regarde, c'est qui va vous appeler, justement. Non, que ce soit des familles qui travaillent et tout, mais au moins la sécurité de l'Université de Montréal, ils devraient, tu sais, vous appeler et dire, bon, ben on a vu ces jeunes-là. En plus, eux ont des tables aussi. Moi, je n'y vais pas le soir. Mais ils doivent fréquenter les lieux aussi. Là. C'est une très belle place, ça. Vous savez pourquoi, là, tu sais. Il n'y a personne, là. Merci. Mais je suis content, monsieur, de votre réponse, ouais. Là, c'est au moins ça. Merci, monsieur. Les caméras vont peut-être les empêcher d'aller dans cet endroit et empêcher des... comment je pourrais dire ça? Merci, monsieur. Merci. Ouais. Situation mortelle là, et conséquences. Ben, merci bien. Merci. Donc, la prochaine question va à Mme Forget. Bonsoir. Bonsoir. C'est drôle de parler de référendum parce que c'est dans ma question aussi, mais ce n'est pas le même référendum. Mais on va pouvoir vous aider parce qu'on a, on a l'expérience. Je vais d'abord commencer pour renouveler ma déception de voir Mindy Pollack et Valérie Patrot assises au Conseil, malgré l'important jugement du Tribunal des droits de la personne reconnaissant qu'elles ont usé de discrimination dans leurs fonctions. Question de privilège. Donc, ma question. En 2016... Les citoyens ont décidé par référendum, qu'il ne devait plus y avoir de nouveaux lieux de culte sur les avenues commerciales à Outremont. Oui. Ça va? Oui, ça va. Je ne veux pas vous déranger. On vous écoute. Bon. Alors, en 2016, les citoyens ont décidé par référendum qu'il ne devait plus y avoir de nouveaux lieux de culte sur les avenues commerciales à Outremont. Malgré ce résultat démocratique, Projet Montréal, via Tom Linson,
Patro, Polak et Magini ont conclu une entente derrière les portes closes en 2019 avec Michael Rosenberg. C'est en conseil spécial que nous avions appris que le conseil autorisait une méga synagogue sur Bernard à l'intersection de Champagneur aux grandes dames de la majorité des Outremontais. Les travaux n'étant pas complétés depuis, j'ai fait une demande d'accès à l'information afin d'y voir plus clair. À ma grande surprise, je constate que le permis autorisant une synagogue à cet endroit est échu. Seul un permis pour travaux de structure est encore valide. Donc, est-ce à dire, Monsieur le maire, que seuls des bureaux et des commerces seront dorénavant permis à cet endroit? Je vais être très prudent dans ma réponse et vous allez comprendre pourquoi quand je réponds. Parce qu'il y a un litige en ce moment exactement sur cette question-là. Et comme il y a un litige, c'est judiciarisé, donc malheureusement, je ne peux pas commenter davantage. C'est dans les mains d'un tribunal. Oui, mais je ne vous demande pas des commentaires, des faits. Est-ce que c'est vrai que le permis est échu? Parce que dans ma demande d'accès, je n'ai pas vu de renouvellement, je n'ai pas vu de nouveau permis, je n'ai rien vu. Est-ce que l'information qu'on m'a envoyée est complète? Est-ce que c'est vrai que le permis est échu? Les permis sont échus. Parfait. C'est déjà un bon début. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant à Mme Letendre. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, vous savez de quel sujet je viens de parler. J'aimerais juste susciter un petit peu plus de réflexion de la part de vous, qui est censé nous représenter. Ce qui est présenté actuellement à la salle dite de réception, avec un restaurant, il y a certaines personnes là, qui pensent qu'au début, quand ils voulaient vendre des condos, ils mettaient ça, mais ce n'était pas du tout la même chose, là. Quand ils offraient, si tu achetais un condo, d'avoir une salle de réception, si tu voulais recevoir ta famille pour Noël et un restaurant pour l'usage exclusif des résidents, ce n'est pas du tout ce qui est présenté maintenant avec la salle de 800 personnes. Alors, si l'Université de Montréal, les étudiants, les associations décidaient éventuellement de louer une salle puis de faire leur nouvelle discothèque-là, bien, ce serait ça. Alors, je ne veux même pas revenir sur les nuisances de bruit antérieur puis les problèmes de stationnement. Je pense que c'est beaucoup plus sérieux que ça, OK? Vous parliez de sécurité un peu partout. Je ne pense pas que d'amener 800 à 900 personnes un peu partout dans les quartiers, aux abords de la montagne et tout ça, que ça augmente la sécurité, bien au-delà des stops lumineux et tout ça, là, je pense que si on a une vision plus à long terme, là, ça n'a aucun sens de permettre ça. Vous voyez ici que même avec un petit peu de porte-à-porte, on s'est mobilisé très rapidement et on peut même faire mieux. Ce que je me demandais, c'est que, et puisque vous êtes témoin maintenant de notre opposition, et c'est évident que tout le monde dans le quartier va être opposé, là, est-ce que c'est possible pour vous, puisque vous êtes nos représentants, d'écrire à Montréal Centre, ou à la Ville de Montréal, pour leur faire part du fait que vous êtes témoin du fait que les résidents du secteur se sont mobilisés en grand nombre et sont unanimement opposés à ce projet-là, parce que j'ai un peu perdu la foi, là, j'ai peur, comme on dit en québécois, de m'en faire passer une petite vite, là, que ce soit chose faite, passer à la Ville de Montréal, qu'on n'ait plus aucun recours, qu'on soit dans un dédale épouvantable, incontournable, et qu'on se dise, bien là, oh, mon Dieu, avoir su. Alors, c'est pour ça qu'on veut savoir concrètement, vous avez parlé de référendum tout à l'heure, là. Moi, j'aimerais que vous nous donniez les dates, là, comment on fait ça concrètement. Okay. Et que vous écriviez, vous, à titre de représentant de l'arrondissement, si ça se présentait dans Westmount, là, la levée aux barricades, elle aurait été là. Là. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas bénéficier du même type de représentation, surtout quand on est unanime. Là. Ouais. Merci pour votre question. Puis, oui, vous pouvez compter sur l'arrondissement, enfin, sur des représentations qu'on peut faire, puis certainement relayer l'opposition qui semble effectivement unanime autour du bâtiment. Donc ça, absolument,
Vous avez mon engagement que je vais relier ça par écrit à qui de droit. En ce qui concerne le référendum, avant le référendum, il y a l'office de consultation publique. C'est très important parce que le référendum vient après la décision de la Ville de Montréal qui a la juridiction sur ce bâtiment-là. Donc, je ne peux pas vous donner une date de référendum parce qu'avant ça, il faut que l'Office de consultation publique donne ses recommandations. Après ça, la Ville de Montréal prendra sa décision qui sera assujettie à un référendum. Mais vous nous confirmez qu'on peut renverser la décision prise par la Ville de Montréal si notre référendum va à l'encontre de leur décision. Oui, c'est absolument le cas, oui. Ah, oui, okay. Oui, absolument. Très bien, merci. D'accord, merci. Donc, Monsieur Argento. Madame, pardon, désolé. Angelina. Oui. Good evening. I'm also going to express myself in English. I just wanted to add, in that notice that you're going to be sending out, I know that you're going to mention there's an email address at OCP to express our views. But perhaps in that notice, without it being a thesis, just to explain to the people what are the consequences, what's at stake, what, you know, this is what's happened, this is where we're at. The builder has asked for a zoning change for a commercial usage, and exactly what is that commercial usage, you know, a salle that will allow 800 people, two services of for a restaurant. And then to tell the people, this is how you have to express your concerns by November 17th, if I understood that correctly. Then what's the next step? It's going to be the Ville de Montréal that makes a decision. And then after that decision, if it's to allow the zoning change, then this is the next step where you as citizens have to mobilize yourself and act. There's a referendum process. Just the steps, let us know what we can do and where we're at in the process right now. Not just, by the way, by November 17th, you have to express your concerns, but what are the consequences if you don't? What happens? That's all I don't know if you have like a website, not just these sending out notices by in writing, but can you put this on your website, on your Facebook, Instagram? I mean, the young people look at all these things and not necessarily written notices that come to your house. Yeah, sure. So it's noted and okay. Yeah. And I am offering my services. If you need help to draft this notice, I'm available. I mean, I do write in French as well as English. I'm available to help. I know this is urgent. I can put my name down, and I can come and help you draft it. Just something quick, something summarized, and you can send it out. Okay? Okay. Julie noted. Thank you very much for your service. Thank you. Donc, la prochaine question va à Monsieur Jean-Claude Tabet. Bonsoir. Deux petites questions. Qui va nous aviser des résultats de l'OCPM du 17 novembre? Comment allons-nous savoir quelle a été la décision de la Ville-Centre? Un. Deuxièmement, si la décision nous déplaît, tantôt M. Meloche a dit que ça prenait une pétition avant de faire un référendum, mais sa réponse était floue un peu. Il ne savait pas trop combien de signatures que ça prenait. Ce serait important pour nous de savoir quelles sont les rues qui sont visées par cette décision-là, et qui on doit solliciter pour une pétition si ça prend une pétition. Donc, est-ce que c'est 10, 15, 20 rues qui sont concernées? Et puis, combien de signatures on doit avoir pour un référendum? Parce que c'est ça qu'on a compris tantôt, là. Il y a une pétition qui doit précéder un référendum. Oui, et effectivement, donc... Effectivement, on pourrait... on n'a pas l'information, je pense, sur le nombre de personnes qui signent une pétition et la zone exacte
Je ne sais pas si on a la zone exacte ou non, mais ça, c'est peut-être l'information qu'on pourrait mettre aussi sur notre... Oui, ben, on a l'habitude. Des jardins, juste... Mais on n'a pas la zone. Le calcul va se faire selon la loi sur les élections, les référendums. Là, on n'est pas rendu là encore. Donc, si jamais on se rend là avec un avis public, il va avoir une tenue de registre pendant 3 jours, dépendamment du nombre de personnes qui sont visées. Et les citoyens seront invités à venir signer le registre. Et si, par exemple, comme pour un règlement d'emprunt, par exemple, on a 1 600 signatures à aller chercher. S'il y a 1 600 signatures, on s'en va en référendum. Donc, ils vont avoir un genre de signature de cette façon-là. On va avoir un nombre de signatures à atteindre. Et s'il est atteint, que les citoyens viennent signer, automatiquement, il va avoir la tenue d'un référendum là, que j'entends qui va être tenu, qui va se tenir par l'Office de consultation publique. Mais c'est par la tenue d'un registre, ça ne sera pas nécessairement une pétition. Donc, il y a un avis public, les citoyens vont être invités à venir signer le registre. Et si le nombre de signatures est atteint, automatiquement, c'est le référendum. Vous allez nous solliciter comment? Ça va être les citoyens. Habituellement, c'est les citoyens de la zone. Un peu comme on a eu pour les lieux de culte, ce n'était pas tout l'arrondissement, c'était vraiment les arrondissements, les zones limitrophes. Donc, c'est ça qui est à déterminer encore. Là, on n'est pas rendu à ce moment-là. Mais pour la... Dépendamment du nombre de calculs, là, ça se peut que ça soit... On a 3 jours, le registre peut être ouvert pendant 3 jours et les citoyens viennent signer, mais je n'ai pas encore ce détail-là. Je vous donne un exemple pour des règlements d'emprunt, par exemple. Mais parce que, excuse, juste une petite question. Oui. Quand vous envoyez qu'il y a des travaux à telle place, puis telle place, là, vous envoyez toujours un flyer avec une carte, avec des lignes rouges, puis des lignes vertes, puis des carrés rouges, puis des carrés verts. Est-ce que c'est possible de nous envoyer un flyer en disant juste c'est dans ce quadrilatère-là qui est concerné? Parce que des pétitions, là, 3 jours, là, je ne sais pas si on va pouvoir mobiliser. Il y a du monde en vacances, il y a du monde qui ne peut pas se déplacer. On peut les faire, nous autres, la pétition, mais il faut savoir à quelle porte cogner, par exemple. Ça, oui, Maître Desjardins, vous allez ajouter. C'est vraiment le MAMACH, là, le ministère des Affaires municipales, qui va le déterminer. Donc, en vertu du nombre de citoyens, de la population qui peuvent signer, le nombre de jours est déterminé par la loi. On ne peut pas l'attendre à 10, là. Je comprends la question. Est-ce que M. Meloche, vous pouvez... Ce sont les zones qui sont définies dans le règlement de zonage. Donc, mais c'est parce que c'est difficile, parce que je ne peux pas vous dire exactement, je ne sais pas où est-ce que vous habitez. Ce que je peux vous proposer, par contre, à la pause, j'ai la carte devant moi, je pourrais vous montrer où sont les zones. Ça peut peut-être vous aider. De toute façon, on va pouvoir transmettre cette information-là par rapport à quelles sont les zones limitrophes à la zone PB6 où est inclus le changement qui est visé pour le 14-20 boulevard Mont-Royal. Donc, ça, on peut le mettre sur le site Web et sur Facebook et communiquer, etc. Donc, OK. Puis nous dire, c'est quand les 3 jours là, qui vont servir à la pétition? Oui. Ça, on le sait, on ne connaît pas les dates encore. Donc, ça va dépendre, comme je disais tout à l'heure, des résultats de l'OCPM. Oui, alors, la décision de l'OCPM. Pardon? Non, je pense que c'est ça. C'est un registre qui est ouvert, Madame Maître Desjardins. Il faut se... Ouais. Habituellement, les registres, ben, ça peut être entre 1 et 5 jours, là, dépendamment souvent ce qu'on fait avec nos dossiers. Ce sont 3 jours. Donc, ce soit des journées consécutives sans pause de 9h à 7h le matin. Et les résultats sont annoncés le 3e jour, dans la plupart des cas, à 19h. Il faut se déplacer en personne pour le signer. Oui, il faut se déplacer en personne pour le signer avec une pièce d'identité. Donc, ça doit répondre aux dispositions, là, aux modalités de la loi sur les élections et les référendums. C'est comme un vote, effectivement, donc ça demande ici à l'arrondissement. Oui, à l'arrondissement. Peut-être si on s'attend à plus de gens, on le mettra aussi ici, je sais pas. Bien, pour les lieux de culte, on avait loin local dans l'école de l'art, mais la plupart du temps, ça se fait au BAM de l'arrondissement, mais ça peut se faire dans la salle du conseil, dépendamment là, de... Mais, oui, puis ça, on va le communiquer, ça on pourra le communiquer exactement l'endroit et les... Oui. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire là-dessus. Donc, on va passer à la prochaine question. Monsieur Gratton. Bonsoir, Monsieur Gratton. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations. Vous avez toute ma reconnaissance en tant que maire et en tant que conseillère. Je respecte énormément toutes les personnes qui s'impliquent dans la vie publique,
particulièrement celles qui le font dans la vie municipale, parce que ça impacte directement les citoyens. Et je vous remercie de votre dévouement à cet égard. Merci. Je suis résident de Outremont depuis 1971 et propriétaire d'une maison sur la rue Pagnuolo depuis 2005. Donc, je veux évidemment parler d'un dossier, du dossier du 1420. J'ai été à même de constater à travers les années ce qui a été dit plein de fois ce soir, la quiétude d'Outremont, à quel point ça nous est cher, la quiétude de notre environnement. Vous avez parlé par rapport à ce qui s'est passé au parc John F. Kennedy en ouverture des réunions, vous-même, Monsieur le maire, l'importance de la quiétude de notre arrondissement, de notre ville autrefois. Et pour moi, c'est une incompréhension totale ce qui se passe en ce moment, le fait que nous perdons tous notre temps ce soir à être ici, parce que je ne comprends pas comment on ait pu se rendre là. Pour moi, Outremont est une ville résidentielle tout d'abord. Nous avons la chance également, Outremont, d'avoir trois rues commerciales d'importance qui nous donnent l'opportunité d'avoir des restaurants, des commerces en tout genre. Et pour moi, le respect de ce zonage-là est primordial et ne devrait même pas être remis en question. Je crois que si la résidence en question n'était pas sur le boulevard Mont-Royal et adjacent à l'université et adjacent à d'autres rues ou d'autres établissements similaires, on ne se poserait pas la question. Si on était autour du parc Outremont, Monsieur le maire, et qu'une résidence demandait un changement de zonage pour ouvrir un restaurant ou un club privé, on ne serait pas rendu jusqu'à l'étape d'une consultation publique. Et alors, c'est une incompréhension totale de savoir pourquoi nous, en tant que résidents et citoyens, on doit perdre nos soirées et probablement nos journées dans les semaines qui suivent, les mois qui suivent, pour prendre parole et s'assurer qu'on soit entendu. Vous me permettrez de douter de la confiance que j'ai aussi dans les processus référendaires. Alors, à Outremont, on n'a pas une très bonne historique récemment sur les processus référendaires et le respect des décisions des citoyens prises lors des processus référendaires. Par contre, j'ai hautement confiance en votre capacité de mobilisation. Et on l'a vu à travers le temps. On l'a vu, Mme Pollack, dans plein de dossiers d'importance à Outremont et de rapprochement des communautés qui est si important. On l'a vu, Mme Potvin, pour la réflexion à travers les années de la rue Laurier. Je me rappelle ce qui a été à la source même de votre engagement à cet égard-là. Et on a maintenant une rue qui est rendue beaucoup plus agréable puis beaucoup plus sécuritaire qu'elle ne l'était à l'époque. Rien n'est parfait, vous l'avez dit, mais quand même, il faut le constater, ce n'est plus le boulevard que c'était à l'époque. Madame Brown, vous avez parlé de l'importance de l'environnement et de l'importance de poser les bons gestes, que ce soit pour la coupe des arbres ou pour l'énergie. Et je n'ai aucun doute en vous regardant votre passion quand vous avez parlé de ça, que vous allez prendre les mesures et les actions appropriées à ce niveau-là. Monsieur Desbois, vous êtes venu ici comme un homme d'action. Et pour moi, les gens d'action comme vous, ça n'attend pas après les procédures. Ça n'attend pas après la ville centrale, oui, excusez-moi. Ça pose des gestes concrets. Si, encore une fois, on était autour du parc Outremont, M. Desbois, vous n'attendriez pas à travers l'Office de la consultation publique. Vous n'attendriez pas un référendum pour prendre position. Alors, je vous demande ce soir, pourquoi ne pas prendre position dès ce soir? Vous avez adopté des motions rapidement en début d'assemblée. Et je me demande pourquoi on ne peut pas, en tant que ville d'Outremont, sur une question qui est si claire et limpide que le facteur résidentiel de notre ville, pourquoi le conseil ne prend pas une motion ce soir pour dire nous sommes en désaccord avec ce projet-là et nous allons prendre les mesures appropriées pour défendre les droits de nos citoyens. Bien. Merci, M. Gratange, pour votre question. Premièrement, je pense que j'avais pris position, mais je vais le dire plus clairement, que Outremont a des secteurs résidentiels, effectivement, et des rues commerciales.
Et donc, il faut préserver les secteurs résidentiels qui sont résidentiels. Donc, et la quiétude, comme vous avez mentionné, ainsi que la sécurité, comme madame a mentionné aussi. Donc, tout ça doit être préservé. Donc, je peux me prononcer, contre le projet que je vois tel quel, c'est-à-dire 800 places, avec ce que j'entends aussi ce soir de tout le monde, parce qu'on a promis qu'on écouterait les citoyens. Donc, en termes de motion, on pourrait en délibérer, mais certainement, je veux vous dire que je vous entends et que je vais faire les actions que je peux faire, toutes les actions que je peux faire pour assurer la continuité de la vocation résidentielle et tranquille du secteur près du Mont-Royal. Une question corollaire. Oui, bien sûr. J'ai eu le plaisir de recevoir l'augmentation de la valeur foncière, de l'évaluation foncière dans les derniers jours, comme tout le monde à Montréal. Dans mon secteur, ça a l'air d'être 36 % la norme. Quand je vois ces choses-là, je me dis, je deviens allergique au gaspillage. Et je trouve que tout ça, pour moi, est un gaspillage de temps. L'Office de la conciliation publique a sûrement des meilleures choses à faire que de faire une consultation publique sur une question aussi limpide. Si on va en référendum, ça va être horrible, encore une fois, le temps consacré par les citoyens et par l'administration. Alors moi, je me demande, autre qu'une motion qui serait quelque chose de simple ce soir à adopter, est-ce qu'il n'y a pas lieu pour notre maire ou pour le conseil de prendre position dans le journal d'Outremont, d'écrire une opinion, une lettre d'opinion pour dire, nous, on est en désaccord avec ce qui se passe avec un changement de zonage, premièrement, et on est aussi en désaccord avec le gaspillage des fonds publics. Et donc, tout le processus devrait être court-circuité et on propose d'y mettre fin maintenant. Alors, c'est d'accord. Une question noté. D'accord, merci. Monsieur le maire, on doit prolonger à nouveau la période de questions. D'accord. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Pour. Je suis pour aussi. La prochaine question va à Fabrice Lebeg. Je ne sais pas si je prononce correctement. D'accord. Donc, la prochaine question va à Anthony Frayne. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça complète la question des citoyens ici ce soir. Et on va passer à la question que nous avons reçue électroniquement. Et je vais demander à Madame, à Maître Desjardins de faire la lecture. Oui, donc Madame Shilan Vaux, le sujet, mon compte de taxes municipales, la question en 2019, la valeur de sa maison est 1 671 800 $. En 2022, c'est augmenté à 2 123 000 123 200 $. Je l'ai acheté à 1 725 000 Ah, pardon. Est-ce que vous êtes... C'est Shilan Vaux. Ah oui, d'accord, vous êtes là. Ben, vous pouvez lire votre, vous pouvez poser votre question. Désolé, Maître Desjardins. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, bonsoir. C'est la première fois que je viens à une audience publique. Et... J'espère que la démocratie va rayonner avec votre nouvelle administration, Monsieur le maire. Et puis là, vu que je suis nouvelle dans le quartier, j'ai beaucoup de questionnements aux augmentations des taxes municipales pour la nouvelle année. J'ai constaté que en 3 ans, je viens d'acquérir ma propriété. Chaque année, il y a une augmentation de taxes. Et en 3 ans, il y a comme 1 million d'évaluations de plus
sur l'acquisition de ma maison et je me pose la question sur quelle base on peut augmenter la valeur d'une propriété vu qu'en ce moment il y a la récession et à mon âge puis que je suis à la retraite, je me pose la question comment je vais pouvoir suivre le rythme des augmentations municipales. Sous votre administration, j'espère que vous allez tenir compte plus de la vie des citoyens d'Outremont que plutôt d'aménagement seulement des parcs ou des travaux publics. C'est nécessaire, mais la vie des concitoyens, c'est peut-être aussi nécessaire, Monsieur le maire. Bien sûr. Merci, Madame, pour votre question. Le rôle de foncier et l'augmentation de 33-36% est calculé par au niveau de la ville de Montréal, non pas au niveau de l'arrondissement. Et ça ne veut pas dire non plus que vous allez avoir une augmentation des taxes nécessairement juste par le rôle foncier. Le rôle foncier est réévalué à chaque 3 ans. Donc, la dernière fois, c'est au 1er juillet 2021. Et ils vont regarder chaque maison et ceux qui ont, ils vont calculer la moyenne à travers Montréal. Et lorsqu'on est au-dessus de la moyenne, le compte de taxes va monter. Quand on est en dessous de la moyenne de la hausse, le compte de taxes va baisser. Donc, c'est pas nécessairement parce que le rôle foncier monte que nos taxes montent. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le taux de taxation va être déterminé par la ville de Montréal, non pas par l'arrondissement d'Outremont. Et on ne connaît pas encore la hausse du taux de taxation qu'il va y avoir au niveau montréalais. Ça va être annoncé lors du dépôt du budget le 29 novembre. Donc, c'est à suivre là, à ce niveau-là. Là. Mais je n'ai pas la réponse encore sur la hausse de taxes et je ne pourrais pas commenter sur votre situation particulière, par exemple. Ceci dit, je suis très sensible à l'augmentation des taxes foncières partout. Et je sais que la ville de Montréal, maintenant, cherche à trouver de nouvelles sources de financement. À Montréal, on est presque taxé. Les revenus de la ville de Montréal viennent des taxes foncières à une proportion de presque 70 %. Donc, ces 70 % des revenus viennent des taxes foncières. C'est beaucoup trop par rapport à d'autres villes où c'est beaucoup plus petit que ça. Donc, je sais que la ville de Montréal est en réflexion là-dessus en ce moment. J'ai une question. Si, par exemple, je voudrais avoir plus d'informations sur cette augmentation, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je pourrais m'adresser pour que cette personne puisse m'expliquer un peu la démarche et m'aider à résoudre ce problème? Je vais laisser Mme Leblanc répondre à cette question. Mais je propose de vous envoyer les informations par courriel, puis aussi vous envoyer les informations si vous voulez faire une contestation là, de votre évaluation. À vous. Je vais vous l'envoyer, j'ai votre courriel. Ça va me faire plaisir. OK, merci, madame. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on va prendre une petite pause de 5 minutes avant de continuer. Là, je pense que, je ne sais pas vous, mais je vais faire une petite pause. Merci. 5 minutes, donc on recommencerait à 21h25. À 21h25. Oui.
Bonsoir tout le monde. Donc, on va continuer dans nos questions fournies électroniquement. Donc, je vais laisser Maître Desjardins poser la prochaine question. Oui, la prochaine question, Madame Lamar Dumas. Le sujet absence de dos d'âne et autres mesures d'atténuation de la circulation sur les avenues Panuelo, Maplewood et Boulevard Mont-Royal. La question, j'ai été interpellée par mes voisins concernant les enjeux de changement de zonage du 1420 Boulevard Mont-Royal. Je suis contre ce projet. Il y a suffisamment de circulation sur les rues du quartier et ces projets ne feront qu'augmenter le nombre d'autos. Ce possible changement de zonage m'amène à reposer la même question posée au Conseil du mois d'août dernier, puisque cela est relié. Pourquoi n'y a-t-il pas de dos d'âne sur les rues Panuelo, Maplewood et Boulevard Mont-Royal, comme il y en a tant d'autres ailleurs dans l'arrondissement? Je me répète, il n'y a aucun dos d'âne, aucune saillie de trottoir, aucune affiche au sol indiquant la limite de vitesse de 30 km/h, aucun panneau signalant la présence d'écoliers, rien pour diminuer le trafic de transit. J'ajouterais aussi, comme tout autre problème favorisant la présence des autos dans le quartier, l'absence totale de surveillance des autos stationnées dans ces rues toute la journée sans vignette, alors que de nombreux étudiants s'y stationnent. Donc, Madame Lamar Dumas était ici et on a eu une grande conversation là-dessus. Je pense Madame Leblanc aussi, mais juste pour résumer, le boulevard Mont-Royal va être refait d'ici 2 ans. Et donc, il va y avoir des mesures d'apaisement qui vont être mises à ce moment-là. Mais d'ici là, on peut absolument mettre des mesures d'apaisement. Je pense que des tréteaux, des bacs à fleurs, peut-être même des dos d'âne en caoutchouc. Je peux vous laisser, Mme Leblanc, peut-être compléter cette question-là, mais comme vous avez eu la discussion avec Mme Lamar Dumas. Tout à fait. Alors, elle déposera une demande là, pour faire des interventions permanentes et temporaires en attendant, comme vous l'avez mentionné, là, du genre de dos d'âne en caoutchouc, etc. Et puis, je lui ai suggéré, pour le stationnement, là, elle peut aussi appeler le numéro 514-280-2222 pour faire des signalements aux besoins. D'accord, merci. Donc, Madame Maître, déjà. Oui, question de Madame Sharon Megan. Le sujet sécurité dans le quartier. La question, suite à l'assassinat dans la nuit de samedi à dimanche, quelles seront les mesures prises par la Ville pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir? Le parc Kennedy est un lieu habité par des familles ayant de jeunes enfants et nous nous inquiétons fortement de ce dramatique incident. Je vous prie de considérer l'installation d'un réseau de caméras de surveillance aux abords des différents parcs d'Outremont ainsi que le retrait et d'éléments de parc pouvant favoriser les rassemblements et une fréquence plus élevée des patrouilles de police nocturne. Oui, donc absolument. Je pense que j'ai mentionné qu'on a des caméras dans tous les chalets de parc et qu'au parc Kennedy, ça s'en vient aussi. Et je pense que M. Durand a répondu. Je ne sais pas s'il y a des compléments d'informations que vous lui donnez, mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question-là, je pense. Oui. D'accord, merci. La question de M. Romain Mantel, le sujet action pour renforcer la présence de la sécurité publique et de la police dans les rues et les ruelles d'Outremont la nuit suite au meurtre survenu dans la nuit de samedi 5 au dimanche 6 novembre. La question, quelle action spécifique immédiate vont être demandées en urgence à la fois auprès de la sécurité publique d'Outremont et du SPVM pour augmenter les heures de présence effective à pied dans les rues et ruelles d'Outremont, le jour, le soir et la nuit, spécifiquement près des parcs d'Outremont, Beaubien, Joyce, John F. Kennedy, Raoul Dandurand et près de la station de métro Outremont? Et quand allez-vous faire la demande urgente auprès de la mairesse Mme Plante et de la direction du SPVM pour faire revenir de manière urgente le commissariat de police au coin de la rue Wiseman et Van Horn à côté du Couche-Tard, en face du métro d'Outremont, tel que c'était auparavant, pour assurer la sécurité des interventions rapides? Merci pour vos réponses pouvant s'appliquer immédiatement dans nos rues. Donc, je vais laisser M. Durand expliquer comment il va augmenter les présences là, ici à Outremont et la surveillance, mais juste pour le poste de police d'Outremont. Je voudrais juste mentionner que j'en ai parlé à Alain Vaillancourt, qui est le responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal. Et suite aux événements, je le contacterai aussi pour exprimer nos inquiétudes et peut-être y soulever cette question-là. Mais pour les patrouilles, je vais demander à M. Durand.
Merci, Monsieur le maire. Donc, au niveau de l'événement spécifique auquel on fait référence, là, qui s'est passé malheureusement ce week-end, clairement, la patrouille a été augmentée là, immédiatement depuis hier soir. On a sollicité l'aide là, de plusieurs unités corporatives pour assurer une plus grande présence. L'avantage d'être un poste de quartier, c'est qu'on a accès à plusieurs ressources au niveau corporatif. On a fait appel à l'équipe là, qui lutte contre la violence armée, même si, dans ce cas-ci, ce n'est pas une problématique récurrente. On a jugé pertinent de leur demander d'être plus présent hier soir, ce soir et dans les prochains jours au niveau de la soirée et de la nuit dans Outremont, entre autres pour assurer les citoyens et aussi pour tenter là, de faire avancer notre enquête dans ce dossier-là. Donc ça, c'est à très, très court terme. Aujourd'hui, on a fait de la prévention, de la sécurisation du quartier avec nos agents sociaux communautaires, nos patrouilleurs, l'équipe de concertation communautaire. Donc tout ça a été fait en collaboration aussi avec les gens de la sécurité publique qui nous ont accompagnés dans ce mandat-là d'aller faire du porte-à-porte près des lieux où l'événement s'est déroulé. Et dans un futur, on va évidemment là, évaluer là, comment on peut maintenir cette présence-là et s'assurer là, que les endroits ciblés peuvent être visités régulièrement par nos patrouilleurs la nuit. Je vois qu'il y a un petit dossier là, par rapport à une réponse diligente là, aux appels d'urgence. Je peux vous rassurer, les appels d'urgence sont traités dans les mêmes temps de réponse qu'à l'époque où il y avait un poste dédié à Outremont. J'ai fait la vérification d'en venir ce soir et nos délais de traitement des appels ne sont pas plus longs que dans le passé. Donc, on répond selon les standards aux appels d'urgence à Outremont. OK. Et donc, juste pour préciser, donc, vu la montée un peu de la violence un peu partout, il y a eu quelques événements au secteur atlantique et ici, ce week-end tragique. Et donc, si je comprends bien, on peut quand même s'attendre à Outremont à une plus grande présence policière dans les rues et dans les parcs. C'est bien ce que vous dites? Oui, du moins, dans un court terme, on va le faire assurément et on va regarder évidemment là, si nos stratégies sont les bonnes, si on peut faire s'améliorer, si on peut solliciter l'apport, par exemple, de la sécurité publique, de travailler plus en synergie avec eux, voir s'il y a des partenaires du quartier aussi qui pourraient nous donner des fois un coup de main pour mieux cibler nos interventions parce qu'ils sont à même parfois de constater des choses que nous, on ne peut pas voir nécessairement. Donc, c'est peut-être, sans dire une plus grande patrouille, une plus grande présence, mais peut-être de mieux cibler nos interventions dans le respect de la capacité qu'on a là, pour desservir Outremont. OK. Moi, ça me fait plaisir de participer à ces discussions-là aussi pour s'assurer aussi que la couverture est bien faite. Donc, on aura l'occasion de s'en reparler. Ouais, merci. Question de M. Wilfried Reed. Le sujet 1420, changement de zonage. La question, le conseil d'arrondissement a-t-il pris une décision concernant la demande de changement de zonage du 1420? Si oui, quelle est cette décision? Sinon, compte-t-il et quand prendre une décision? Donc, le conseil et l'arrondissement de la Ville de Montréal je suis en train de lire la question, là, mais donc c'est prononcé sur cette demande de permis, mais c'est conditionnel en fait à une consultation publique, là, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure. Juste pour répéter un peu ce que je disais, donc il y a un processus, là, je pense que c'est important de manifester son accord ou son désaccord à l'Office de la consultation publique de Montréal là, jusqu'au 17 novembre. Encore une fois, toutes les informations vont être publiées sur notre site web, sur notre page Facebook et dans des avis qu'on va distribuer. Et à la suite de la décision de la Ville-Centre, après les recommandations de l'OCPM, là, il y aura la possibilité d'initier un référendum dans le quartier pour accepter ou rejeter ce projet. Donc ça demande effectivement une mobilisation citoyenne. Mais je pense qu'avec une bonne mobilisation citoyenne, les gens auront la destinée entre leurs mains. Donc, la question de M. Chris Dupuis. La question, hello, as a resident of Outremont, I watch the council meetings every single month and I find it extremely concerning that no one talks about the real issues in the neighborhood. Instead of talking about how to keep the neighborhood safe in view of recent events, instead we have a whole bunch of people coming to harass councilors that are just trying to do their jobs. We need to be discussing the real problems like the lack of
Bike path, zero activities for teenagers, too much construction. Thank you for your time. Yeah, so we, in terms of bike path, we did, you know, with the city of Montreal has decided to pursue the bike path on Sainte-Catherine, which we're very happy about. And we're going, that's kind of a structural rev type of infrastructure, and that we want to complement with a local network of bike path in Outremont. So we'll be making decisions and announcements in the near future on that. And in terms of construction, we are aware that there's a lot of construction, and I know the administration is trying to reduce the hassle for citizens in Outremont. And you know, there are some construction that needs to be done in terms of aqueducts, I think, not sure of the English names, but sewage as well. So, but we are aware that it does cause a lot of nuisance, and actually we're reforming our bylaws to that effect in terms of combining all the nuisance bylaws into one bylaw. Thank you. Question de Mme Diane Shea, le Vivre Ensemble. La question, le gouvernement fédéral a accordé 340 000 $ à Outremont pour lutter contre le racisme. J'aimerais savoir comment le conseil d'arrondissement d'Outremont prévoit dépenser cet argent et comment le conseil mesurera les résultats pour voir s'il a réussi à réduire le racisme et la discrimination dans l'arrondissement. Merci pour votre question. Donc, le Vivre Ensemble est évidemment très important. Nous sommes très heureux de cette contribution du gouvernement fédéral importante, qui, nous l'espérons, va permettre de mieux harmoniser les relations entre les communautés. Ici, notre rôle à l'arrondissement est d'accompagner les projets qui vont venir initialement des citoyens et citoyennes par la communauté des ruelles. Donc, c'était le projet initial. Et nous avons différentes mesures, différents projets qui vont être mis en place. Et les indicateurs de succès, dans le sommaire décisionnel, vous en avez 14 qui sont décrits. Ce serait un peu trop long pour décrire en détail, mais je peux vous donner des exemples. Par exemple, le nombre de rencontres, la table de concertation de bon voisinage, le nombre de partenariats créés, le nombre de participants impliqués dans les communautés de ruelles, etc., etc. Vous pouvez voir dans le sommaire décisionnel les 14 critères de succès là, pour la reddition de comptes. Merci. Question de Frédéric Bélan, sujet sécurité publique. La question, bonsoir, nous avons appris que le 33e meurtre de la ville est survenu ce week-end à Outremont. Ce drame violent nous afflige et nous pousse à réfléchir sur la sécurité de notre quartier. Nous avons un service de sécurité publique à Outremont. Je me fais souvent la réflexion qu'elle n'est pas assez visible dans nos rues. Je reconduis tous les jours mes enfants à leur école et je promène au moins deux fois par jour mon chien dans les rues du quartier. Depuis la rentrée scolaire, je pense que j'ai vu un véhicule de la sécurité publique trois ou quatre fois. J'aimerais savoir si une présence accrue des patrouilleurs dans nos rues et parcs serait possible. Merci. Donc, effectivement, on a un défi depuis que le retrait de la compétence du stationnement a été retiré de la sécurité publique. Le nombre d'agents a diminué là, chez la sécurité publique. Par contre, nous avons ajouté un deuxième patrouilleur le soir pendant la période estivale. Il est clair qu'il faut cibler non seulement les parcs, par exemple, le soir, mais aussi les écoles le matin. Ça, c'est du côté de notre sécurité publique, mais j'aimerais effectivement entendre aussi peut-être M. Durand là-dessus, du côté du SPVM, qu'est-ce qui peut être fait là, sur la sécurité autour des écoles. Merci. De notre côté, évidemment, il y a deux agents socio-communautaires de notre poste de quartier qui sont dédiés à Outremont, donc qui sont en lien constant avec les écoles du quartier. Et bien évidemment, on a des liens constants avec les écoles qui nous font part soit des problématiques de circulation, d'attroupement ou n'importe quoi qui a
lieu près des écoles. Et évidemment, on prend des actions. On a les policiers de l'équipe de concertation qui sont régulièrement dans le quartier Outremont, dans l'arrondissement, principalement au niveau de l'école Paul-Gérin-Lajoie, là, où on a eu certaines problématiques à la rentrée scolaire. On a quand même déployé beaucoup de visibilité. Et pour le reste, bien, écoutez, on est présent, comme j'ai mentionné tantôt lors d'une autre intervention, il faut aussi que les gens communiquent avec nous lorsqu'il y a des problématiques. Et souvent, les gens pensent qu'on sait toutes ces choses-là, mais c'est important que les gens prennent l'appel de communiquer avec nous quand il y a des enjeux. Faut pas sentir qu'on dérange quand on appelle au 911. Malheureusement, c'est la seule porte d'entrée pour nous. Et à toutes les fois qu'il y a des problématiques comme ça, il faut soit communiquer avec le 911 quand ça se passe immédiatement, ou communiquer avec le poste de quartier si jamais c'est des problématiques récurrentes pour qu'on puisse faire des attentions spéciales sur ces choses-là. On a aussi deux agents de quartier en sécurité routière qui ont la responsabilité de travailler l'arrondissement Outremont et qui participent à différents comités de circulation au sein de l'arrondissement. Donc, c'est comme ça qu'on répond à ce genre de situation-là. Oui, effectivement, nous avons notre comité de sécurisation là, qui parle de ces questions-là aussi. Mais ce que vous dites, là, on va être sûr de relayer là, comment communiquer là, avec vous là, là-dessus. Merci. Question de José Dessureau. Pardon, le sujet. Permis d'occupation ruelle entre 32 et 40 avenue Kerb. La question, nous aimerions savoir pourquoi un permis d'occupation de la ruelle entre le 32 et le 40 de l'avenue Kerb a été accordé au propriétaire du 25 rue de l'Épée pour effectuer des travaux de construction. Les camions et les travailleurs bloquent les sorties de secours des triplex du 3 au 32 Kerb. Le bruit commence dès 7h30 le matin, les cris des travailleurs et les débris qui sont lancés dans les camions. Cet été, nous recevions des débris d'amiante dans notre cour. Des altercations ont eu lieu entre les travailleurs et les résidents qui ne peuvent plus sortir leur vélo. Nous avons contacté les travaux publics, les pompiers, la police et l'arrondissement et tout le monde est d'accord sur l'enjeu de la sécurité. Nous avons compris que les travaux vont durer jusqu'à la fin 2023 et nous songeons à déménager car c'est invivable. Nous avons déposé un document complet à Mme Marie Potvin avec tous les enjeux pour tout le propriétaire de la rue. Merci. Merci pour votre question. Donc, effectivement, nous avons été mis au courant que les conditions de laisser un passage de 1,5 mètre dans la ruelle n'étaient pas respectées. Et donc, nous avons parlé aux responsables des travaux et ils vont déplacer l'occupation sur l'avenue de l'Épée afin de dégager la ruelle et des accès aux résidences. Surtout, n'hésitez pas à contacter la sécurité publique si vous constatez des enjeux par rapport à votre accès à vous. Merci. Question de Mme Anne Bétourné. Ajout d'usage au 1420 boulevard du Mont-Royal. La question, l'OCPM a amorcé une consultation publique sur un projet d'ajout d'usage au 1420 boulevard Mont-Royal. Ce projet prévoit l'ajout d'activités commerciales au 1420, notamment un restaurant lounge, une salle événementielle et des celliers à vin, tous ouverts au public. Ces activités commerciales dans un secteur strictement résidentiel comme le district Robert-Bourassa constitueraient des nuisances majeures pour les résidents au niveau de la circulation, du stationnement, de la quiétude et de la sécurité. Considérant que les activités commerciales à Outremont ont toujours été strictement restreintes à certains secteurs bien précis, par exemple Laurier, Bernard ou Van Orne, et n'ont jamais été autorisées dans un secteur purement résidentiel comme celui du 1420, qu'est-ce que le conseil d'arrondissement entend faire pour empêcher que soient autorisés ces ajouts d'usage commerciaux au 1420 et pour protéger la qualité de vie et la quiétude des résidents de ce secteur résidentiel? Je pense qu'on a amplement discuté ou répondu à cette question, mais nous, on peut et on va relayer le désaccord des citoyens à ce niveau-là sur ce projet. Et les autres mesures dont nous avons parlé, je pense que ça a été assez clair. Là. Merci. Monsieur Petitot a posé sa question en personne. Donc, la question de Mme Viviane Lee, collecte de feuilles mortes. La question, est-ce qu'il y aurait une meilleure solution qu'un camion qui traîne sa pelle pour déplacer, ramasser les feuilles mortes? Non seulement ça abîme prématurément l'asphalte, mais c'est également très bruyant. N'y aurait-il pas moyen de faire participer la communauté en mode corvée d'automne, événement amical de quartier? Merci. Oui, effectivement. Donc, c'est un enjeu. Il y a beaucoup de feuilles à Outremont, comme on sait, à cause de la canopée. Je pense que il y a un besoin de sensibiliser les citoyennes et citoyens. Je pense qu'on va... En 2023, nous avons le projet de lancer une campagne de sensibilisation à cet effet-là sur comment gérer les feuilles, quelles sont les meilleures méthodes, les meilleures pratiques. On va donner la responsabilité à Mme Brown de s'occuper de ce dossier-là. Merci. Question de M. David Beitel. Travaux sur Mont-Royal. La question, récemment, l'asphalte a été enlevé à trois endroits le long de l'emprise publique sur Mont-Royal et la bordure en béton a été refaite.
J'ai appris depuis que ces espaces seront repavés et que la bordure sera recoupée pour permettre le stationnement privé gratuit sur le terrain public. En tant que résident de cette rue, je suis surpris que nous consacrions nos fonds publics à réaménager des espaces de stationnement pour quelques individus. En même temps, les trottoirs et les escaliers publics de cette zone ont un besoin immédiat de réparation. Veuillez nous éclairer sur la logique de votre décision, sur le budget utilisé pour financer ce projet et sur le coût total pour les citoyens. Note, il y a environ 25 véritables entrées de propriété le long de cette rue qui ont été pavées à peu près en même temps que ces trois non-entrées. Quand pouvons-nous prévoir que l'arrondissement les repavera? Dans ce cas, M. Bettel, donc, l'entrepreneur, en fait, sur les trois entrées, a fait une erreur. Donc, il a fait une erreur d'enlever le pavage. Je vais peut-être laisser Mme Leblanc compléter la réponse là-dessus, mais c'est une erreur de l'entrepreneur. Exactement. Alors, ça ne coûtera rien à l'arrondissement parce que l'entrepreneur doit réparer son erreur. On a convenu de stratégie là, avec les résidents, résidentes. Ils ne doivent pas laisser leurs autos stationner à ces endroits-là, mais pour de la livraison et tout ça, là, il y aura des roulières qui seront installées sur deux des trois stationnements. Et voilà. Et puis, comme l'ensemble des citoyens et citoyennes, là, lorsqu'on refait notre voie de stationnement, ce n'est pas la ville qui va payer pour ça, c'est les citoyens et citoyennes qui sont responsables de l'entretenir. Merci. Question de Mme France Poulin, discrimination politique. La question, Mme Patro, Mme Pollack, depuis la condamnation de la ville pour discrimination politique par le tribunal des droits de la personne, vous criez à qui veut bien l'entendre que vous n'y êtes pour rien, puisque, selon vous, la plainte contre vous a été rejetée. Pourtant, la ville a bel et bien été condamnée et les citoyens ont dû verser 7 000 $ en compensation. Si, tel que vous l'affirmez, les quatre élus qui ont voté la motion destituant M. Lucier sont blancs comme neige, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu condamnation et ce n'est pas l'intervention du Saint-Esprit qui en est la cause. Puisque c'est la ville qui est condamnée et que vous niez votre implication, doit-on en conclure que vous faites porter le blâme sur les fonctionnaires de l'arrondissement? Donc, je vais laisser la parole à Mme Patrou, Mme Pollack, si elle veut répondre. Je n'ai pas de commentaire, merci. D'accord, merci. Question de Mme Shannon Babcock, Parc Outremont, aire de jeu et nouveau chalet. La question, bonsoir, félicitations pour la suite des projets de la dernière administration, notamment les mises à jour du Parc Outremont. Pouvez-vous dire quand l'aire de jeu et le nouveau chalet seraient ouverts? Je sais que les familles ainsi que les garderies ont hâte d'y jouer. Oui, alors ils vont être ouverts, l'aire de jeu va être ouvert dans la prochaine semaine, si je comprends bien. Cette semaine. Alors cette semaine, l'aire de jeu va être ouverte. C'est autour du 10 décembre, donc à partir de cette date, on va enlever les clôtures et à partir de cette date, les modules vont être accessibles. Merci. C'est tout. Je peux. Okay. Et le chalet? Oui. Le chalet, le chalet du parc, il manque un élément, si je comprends bien. Il manque malheureusement portes et fenêtres qui sont en pénurie, ont été commandées. Ils devraient arriver malheureusement cet hiver. Cependant, le chalet va pouvoir être utilisable. Puis on a déjà mis, des revêtements temporaires, là, puis une porte temporaire aussi. Alors, je pense que quelques jours, si ce n'est pas déjà ouvert, alors non? Quelques jours? Okay. Je pense que la pancarte a été mise aussi en fin de semaine, alors à suivre. Ouais. On va prendre quelques jours. D'accord, merci. Donc, on continue? Oui. Pardon? Oui. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Ben oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre présence. Ben oui, c'est très apprécié. Merci. Donc, on va continuer sur le prochain point. Oui, le point 10.5, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 21 septembre 2022 à 11h30. Je propose. J'appuie. D'accord, donc on va passer au vote de Mme Bourne. Je suis pour. Et Mme Potvin. J'appuie. Et je suis pour. D'accord, et on va le prendre et moi aussi je suis pour. 10.6. La proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 6 octobre 2022 à 18h. Je propose. J'appuie. D'accord. Et Mme Brown? Je suis pour. Mme Potvin? Je suis pour. Et je suis pour.
10.07. La proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 6 octobre 2022 à 19h. Tiens, je propose. J'appuie. Et donc, on passe au vote. Madame Potvin. Je suis pour. Et Madame Patrault. Pour. Madame Pollack. Pour. Merci. 10.08. Il n'y a pas d'intervention pour la demande de dérogation mineure du 1145 Avenue Bernard. Donc, le 12.01, la proposition est à l'effet d'autoriser une affectation de 170 000 $ provenant des surplus d'arrondissement dans le cadre du programme Soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme du ministère du Patrimoine canadien pour la réalisation du projet Communauté de Ruelle, d'approuver le projet d'accord de contribution avec le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme pour la réalisation du projet Communauté de Ruelle, de demander au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure cet accord, d'autoriser Mme Marie-Claude Leblanc, directrice de l'arrondissement d'Outremont, et de Montréal, à signer cet accord pour et au nom de l'arrondissement d'Outremont. Je propose. En même temps. Mme Pollack. On évoque Mme Pollack. Appuyez pas. Appuyez. J'appuie. Madame Patrault. On passe au vote, Madame Brown. Je suis pour. Madame Potvin. Je suis pour. Et je suis pour. 20.01. La proposition est à l'effet de modifier le texte de la résolution CR22-16-0328 par le biais de laquelle le Conseil a approuvé le projet de bail négocié entre la Ville de Montréal, arrondissement d'Outremont et complexe avenue Ogilvy. SEC, pour l'entreposage des archives de l'arrondissement, en y ajoutant la phrase suivante, d'autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer le bail pour ou et non d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patrault. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 20.02. La proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 15 328 $ à la Maison des jeunes d'Outremont dans le cadre du plan local d'action jeunesse 2022-2025 de la table de concertation jeunesse Outremont-Ville-Mont-Royal afin de réaliser le projet intervention de proximité travail de rue du 11 octobre au 31 décembre 2022 conformément au cadre de référence du programme Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine, ACCSU, d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Maison des jeunes d'Outremont établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, d'autoriser Mme Marie-Claude Leblanc, directrice d'arrondissement, à signer la dite convention pour et non d'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'agglomération. Je propose. J'appuie. Madame Patrault. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 30.01. La proposition est à l'effet d'autoriser la radiation de solde d'un compte de bilan en caisse concernant des dossiers inactifs et comptabiliser la dépense afférente de 47 420 $ et 40 sous au livre de l'arrondissement pour l'exercice financier 2022. Je propose. J'appuie. Donc, ici, c'est, si je comprends bien, il y avait des inscriptions, des entrées papier, tout ça. Donc, là, on a fait le ménage là-dedans. Puis, c'est d'accord. Donc, Madame Patrault. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 30.2, dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de septembre 2022. 30.3, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de septembre 2022. 30.4, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour le mois de septembre 2022. 30.5, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de septembre 2022. Donc, le 40.01, c'est un avis de motion, je vais le lire. Conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, LRQ, chapitre C-19, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement sur la taxe relative aux services, exercice financier 2023 » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à établir, pour l'exercice financier 2023, le taux de la taxe relative aux services de l'arrondissement d'Outremont. Ce taux est établi à 0,0452 $ par 100 $ d'évaluation. 40.2, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement sur la taxe relative aux services exercice financier 2023. L'objet de ce règlement vise à établir pour l'exercice financier 2023 le taux de la taxe relative aux services de l'arrondissement d'Outremont. Ce taux est établi à 0,0452 $ par 100 $ d'évaluation. Je propose. J'appuie. Madame Patrault. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. T'as l'avis de motion. Ah oui, pardon, désolé. conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs, exercice financier 2023 » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à adopter les tarifs applicables aux biens et services de l'arrondissement pour l'année 2023.
40.04, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2023. L'objet de ce règlement vise à adopter les tarifs applicables aux biens et services d'arrondissement pour l'année 2023. Propose. J'appuie. Madame Patrou. J'aimerais apporter un point. Parce que, en effet, dans les tarifs, il y a des tarifs qu'on n'a pas changés, alors que les tarifs pour les activités, pour les jeunes, pour les aînés ont été augmentés de 3 %. Les tarifs sur les vignettes de stationnement sont restés au même tarif que les années précédentes. Je pense que ce n'est pas équitable vis-à-vis de l'ensemble de la population et j'aimerais proposer donc un amendement pour que les tarifs des vignettes soient augmentés du même pourcentage que les autres tarifs, soit de 3 % pour l'année 2023. J'appuie. Non, Oui, ça va être juste augmenter les tarifs des vignettes de 3 % pour l'année 2023. C'est votre point. Donc, oui, il faut voter sur l'amendement. Donc, si l'amendement est accepté, ça va changer la proposition principale. Si l'amendement tombe, on revient et on vote sur la proposition principale. Ouais. En fait, ici, pour les tarifs, pour les permis pour le stationnement, nous sommes en pleine en fait, en réflexion et en révision sur les tarifs qu'on veut donner pour l'année prochaine. Donc, il y aura des notions de bonus-malus qu'on veut proposer. Donc, et des ajustements, par exemple, sur la tarification pour les travailleurs, etc. Donc, on va revenir avec une proposition là-dessus pour le Conseil. Donc, c'est pour cette raison-là que je voterai contre cet amendement. Donc, mais on va voter pour, je pense. Donc, Moi, je vais voter contre l'amendement. Madame Potvin. Je suis pour. À la majorité. Vous avez voté pour, effectivement, l'amendement va passer à la majorité. Donc, Monsieur le maire, vous êtes contre? Je suis contre. Donc, l'amendement passe à la majorité. Donc, ça va être, on va voter la proposition telle qu'amendée, donc avec une augmentation de tarifs pour les vignettes de stationnement pour l'année 2023. Et donc, il faut voter sur cette proposition telle qu'elle est amendée. Est-ce qu'on va juste prendre un petit délibéré, si on peut? Ou... Bien, le vote est passé. Le vote est passé, c'est vrai. Sur l'amendement, sauf que là, il faut voter sur la motion telle qu'amendée. C'est pour ça que je pense. Puisque moi, j'ai proposé la motion avant qu'elle soit amendée, là, on revote tout le monde? Oui. Là, il faut voter, oui. Là, il faut revoter sur la proposition telle qu'elle est amendée. C'est ça. C'est ça. M'excuse de poser une question, bon, okay. Mme Jardin. C'est juste que là, si on a amendé, puis qu'on vote, ça, c'est l'ensemble des tarifs. Mettons qu'on vote contre, est-ce que ça annule la modification de l'ensemble des tarifs? Bien, c'est parce que si vous votez contre, là, on est en train, là, c'est l'adoption du projet de règlement sur les tarifs. Ce qu'on voudrait faire, c'est proposer un autre amendement, je pense. Ça peut être une solution. Oui, c'est la meilleure solution. Donc, on va juste prendre un délibéré. Par exemple, un amendement ne peut pas être une négation pure et simple d'un amendement qui peut être fait. Donc, il faut que ça modifie la substance. Oui, bien sûr. Bien, je pense que c'est selon les lignes que je vais indiquer de toute façon, mais on va prendre un petit moment délibéré, je pense. Bien là, on a le vote sur l'amendement. Tout ce qu'on a, c'est encore l'amendement. On n'a pas voté encore là, sur la proposition. Bien là, on a voté l'amendement. Oui. On prend une petite pause. D'accord. Merci. On va aller en délibéré.
C'est bon, donc on va recommencer, continuer donc notre séance de ce soir. Donc on va appeler le vote sur la proposition amendée. Parfait. Donc ça a déjà été proposé et appuyé ou Bien là, on avait la proposition principale qui avait été proposée par Maître Brown et appuyée par Mme Potvin. Il y a eu amendement, donc qui est venu modifier la proposition principale. Donc là, il faut voter sur la proposition principale telle qu'amendée, donc l'adoption d'un projet de règlement avec une augmentation de tarif de 3% pour les vignettes de stationnement. Bien là, ça a déjà été proposé, donc ça va être déjà okay. été proposé pas appuyé, donc D'accord. c'est le vote. Oui. D'accord. Alors, je vais juste commenter. Donc, on va ouvrir le vote. Oui, d'accord. Donc, j'ouvre le vote, madame. Qui doit voter? Bien, c'est moi. C'est, oui. Non, ça a déjà été appuyé. C'est ça. Oui. 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 Alors. C'est ça. Mais j'ai juste commenté peut-être avant le. Donc, c'est le moment de commenter. Je voterai pour la proposition amendée. Cependant, comme j'ai discuté tout à l'heure, on est en réflexion sur le bonus-malus et toute la tarification les permis de stationnement. Donc, on reviendra avec une proposition spécifiquement là-dessus au prochain conseil. Donc, Mme Brown. Je suis pour. Madame J'appuie. Et je donc, suis vous pour. Êtes pour. Ouais. Et je suis pour aussi. Parfait. Pour et pour. Et pour. Ça, parfait. Ça reste la proposition qui avait été proposée, principale par Mme Brown, appuyée par Mme Potvin. Monsieur Desbois, vous êtes pour. Et bien entendu, Mme Patro et Mme Pollack sont pour, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Okay. Donc, 40.5, M. le maire, c'est un avis de motion. Donc, conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la STC Laurier-Ouest Outremont pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et imposant une cotisation sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement est d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Laurier-Ouest, Outremont, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 40.06, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SDC Laurier-Ouest, Outremont, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et imposant une cotisation. L'objet de ce règlement est d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Laurier-Ouest, Outremont, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Propose. J'appuie. Donc, j'appelle le vote. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Un dernier avis de motion. D'accord. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur les sociétés de développement commercial à l'égard du territoire de l'arrondissement d'Outremont, AO 333, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement est de modifier les modalités de convocation et la date limite des assemblées générales. 40.08, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur les sociétés de développement commercial à l'égard du territoire de l'arrondissement d'Outremont, AO 333. L'objet de ce règlement est de modifier les modalités de convocation et la date limite des assemblées générales. Propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, un autre avis de motion. Un autre avis de motion, d'accord. Donc, conformément à l'article 356 de la loi Société Ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utilisé. Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, le 1171, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à abroger les articles 2.6 et 8.9 relatifs au remorquage d'un véhicule stationné illégalement.
40.10, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement. En 71, l'objet de ce règlement vise à abroger les articles 2.6 et 8.9 relatifs au remorquage d'un véhicule stationné illégalement. Propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.11, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de 1 300 000 pour financer les travaux d'aménagement de parcs de l'arrondissement d'Outremont. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux d'aménagement des parcs de l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. J'appelle le vote. Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Pollack. Et je suis pour. 40.12, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour financer les travaux privés au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de verdissement et de sécurisation de ruelles prévues au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement. Propose. J'appuie. J'appelle le vote. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Je suis pour. 40.13. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de 1 275 000 $ pour financer les travaux privés au programme de réfection routière de l'arrondissement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de réfection routière de l'arrondissement, incluant la réfection de trottoirs et l'ajout de dodanes. Propose. J'appuie. Donc, j'appelle le vote. Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Pollack. Et je suis pour. 40.14. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de 3 350 000 $ afin de financer les travaux privés au programme de protection de bâtiments d'arrondissement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux privés au programme de protection des bâtiments d'arrondissement d'Outremont. Propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.15. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de 1 308 000 $ pour l'acquisition et le remplacement d'équipements et de mobilier urbain. L'objet de ce règlement vise à financer l'acquisition et le remplacement d'équipements et de mobilier urbain sur le territoire de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, le vote de Mme Patro. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.16. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à réduire à 20 km/h la limite de vitesse sur l'avenue Lajoie ainsi qu'à modifier le plan des limites de vitesse de l'arrondissement cité à l'annexe A du règlement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.17. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur la partie de l'avenue Lajoie, comprise entre les avenues Stuart et Outremont, et d'y modifier les règles de stationnement. Propose. J'appuie. Donc, Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.18, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme AO2. L'objet de ce règlement vise à modifier la composition du CCU et ce, conformément au pouvoir habilitant conféré par l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je propose. J'appuie. J'appelle le vote. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.19. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la propreté AO 78. L'objet du règlement vise à modifier et harmoniser les pénalités conformément aux dispositions privées à la loi sur les cités et villes. Propose. J'appuie. Donc, Madame Patro, pour le vote. Pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.20. La proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événement parade Sefer Torah, événement vente de sapins de la Maison des Jeunes d'Outremont, événement village de Noël de la SDC Laurier-Ouest Outremont. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 47.1. La proposition est à l'effet d'autoriser pour les meubles situés au 1145 Avenue Bernard une dérogation mineure visant à permettre la reconstruction d'une clôture d'une hauteur de 3 mètres et d'un escalier extérieur sur le mur arrière du bâtiment, dérogeant ainsi aux articles 8.3 et 4.3 du règlement de zonage 1177, et ce, sans réserve. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Pollack. Et je suis pour. 47.2. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 1145 Avenue Bernard la demande d'approbation de PIA, et ce, sans réserve. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Je suis pour.
47.3. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au 45 avenue Spring Grove avec les réserves suivantes afin de limiter les vues en plongée chez la propriété voisine, retirer la portion de la terrasse vis-à-vis l'escalier afin de préserver les alignements avec le bâtiment existant, proposer un toit terrasse au même niveau que le dessus du plancher du premier sous-sol, au besoin abaisser le niveau du plancher de l'agrandissement en encastrant ce dernier dans le sol. 475 avenue Bloomfield avec les réserves suivantes afin de préserver l'esthétisme d'origine de la façade, réduire l'épaisseur des subdivisions de la porte afin de revenir vers une porte qui s'apparente plus à celle d'origine, bonifier la biodiversité et l'allure générale de l'entrée en proposant un aménagement paysager incluant des végétaux indigènes. 40 avenue Glencoe avec les suggestions suivantes, bonifier la biodiversité en incluant des végétaux indigènes dans l'aménagement paysager afin d'améliorer la ventilation pour les ouvertures sur la façade arrière de la véranda, ajouter des portions ouvrantes similaires à celles des façades latérales. 505 avenue Champagnard avec les réserves suivantes, afin de respecter la composante architecturale d'origine, les ouvertures devront être de couleur blanche et de type d'ouvrant et le type d'ouvrant à guillotine avec pied droit central s'inspirant du voisin au 515 avenue Champagneur. La subdivision des fenêtres coulissantes du sous-sol devra s'aligner avec les fenêtres du rez-de-chaussée. Je propose. J'appuie. Je passe au vote. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, c'est la motion que je vais déposer. Donc, je pense que j'en ai parlé abondamment lors du dépôt du budget ici à l'arrondissement, et ainsi que ce soir. Donc, il y a un déséquilibre fiscal qui se forme entre la ville-centre et les arrondissements, et Outremont en particulier. Ce n'est pas normal que les arrondissements doivent utiliser leur surplus pour boucler leur budget. Et ici, on a puisé dans des fonds de réserve pour boucler notre budget, sans toucher au surplus, mais tout de même, on touche au fonds de réserve. Donc, c'est une évolution qui n'est pas soutenable. C'est-à-dire que si on veut que les arrondissements fournissent les services de proximité que les citoyens et citoyennes demandent, je pense qu'il faut avoir le financement pour accomplir notre mission, la mission des arrondissements. Donc, cette motion demande à la ville-centre d'indexer à partir de 2023 les transferts centraux pour fin de dotation, donc d'indexer à la hauteur de l'inflation, d'une part, et aussi demande à la ville-centre d'entamer une révision de la distribution du plan décennal d'immobilisation entre les arrondissements et la ville-centre. Donc, toujours pour favoriser l'autonomie financière. Donc, je pense que... est-ce que je lis les attendus? Non, ce n'est pas nécessaire. Ben, je peux absolument... On en fait lecture, mais peux le faire si vous, non, si okay, vous le souhaitez pour vous. Là, non, je peux le faire. Oui, vous avez beaucoup lu. Donc... Donc, c'est une motion demandant une meilleure autonomie financière des arrondissements. Donc, attendu que le taux d'inflation est évalué à près de 7 % pour 2022, après un taux de 3,8 % en 2021, selon les données de Statistique Canada. Attendu que la dotation de l'arrondissement d'Outremont ait été indexée de 2 % en 2023 et de 1 % en 2022, ce qui représente un manque à gagner estimé à 785 150 $ pour ces deux années calculées en dollars réels. Attendu que l'indexation de 2 % des transferts centraux pour la dotation par la ville-centre est insuffisante pour absorber l'ensemble des augmentations des contrats dus à l'inflation et au coût de la main-d'œuvre à Outremont. Attendu que plusieurs arrondissements ont été obligés de recourir à l'utilisation importante des réserves de surplus et à une forte hausse de la taxe locale sur les services afin d'équilibrer leur budget de fonctionnement 2023. Attendu que l'arrondissement d'Outremont, tout comme l'ensemble des arrondissements, doit pouvoir compter sur le financement raisonnable afin d'assurer un niveau de service de base de qualité pour desservir adéquatement sa population. Attendu que les dépenses de fonctionnement liées à l'entretien des infrastructures et des immobilisations augmentent lorsque ces dernières sont mal entretenues ou désuètes. Attendu que la distribution entre les arrondissements pour le plan décennal d'immobilisation, le PDI, ne devrait pas être réalisée en fonction des programmes définis par la ville-centre, mais plutôt arrimée aux priorités des arrondissements et avec des critères objectifs et spécifiques tels que la vétusté des équipements et selon des indicateurs de besoin comme la population, la densité des ménages et la superficie. Donc,
La proposition est à l'effet que l'arrondissement d'Outremont dépose une résolution au conseil municipal demandant à la ville centre d'indexer automatiquement à partir du budget 2023 et annuellement par la suite les transferts centraux pour fin de dotation à la hauteur de l'inflation. Indice des prêts à la consommation, que l'arrondissement d'Outremont dépose une résolution au conseil municipal demandant à la ville centre d'entamer une révision de la distribution du plan décennal d'immobilisation entre les arrondissements et la ville centre afin de favoriser leur autonomie financière. Donc, je propose. J'appuie. Donc, on va passer au vote, Madame Patrou. J'aimerais intervenir, oui. Maman, s'il vous plaît. Oui, alors, donc, merci. Pour ma part, j'aimerais intervenir parce que, évidemment, hein, tout le monde voudrait avoir plus d'argent pour dans son budget. Ça, je comprends tout à fait, c'est humain. Malheureusement, l'argent, on ne le produit pas avec une baguette magique. Et là, dans les circonstances actuelles, il y a tout un aspect d'équité territoriale, de solidarité à avoir avec l'inflation qui augmente, les différents enjeux que la ville auxquels la ville doit faire face, augmenter les dotations de chaque arrondissement à l'inflation de plus de 7%, comme vous le demandez, ça paraît actuellement un peu irréaliste. Quand on a suivi le chantier auquel on a participé tous les deux, Monsieur Desbois, aujourd'hui, donc pour rappel, Madame Olivier, qui est la responsable du comité exécutif de la ville de Montréal et responsable des finances de la ville, a lancé un grand chantier aujourd'hui parce qu'elle, comme de nombreux élus, elle constate les enjeux de financement de la ville de Montréal. Les objectifs de ce forum-là aujourd'hui, c'était d'exposer les enjeux financiers et présenter les défis que la ville rencontre pour assurer aux générations futures une ville résiliente, solidaire et sécuritaire, établir un consensus autour du rôle et des responsabilités de la métropole, de ses limites budgétaires et de l'importance d'une équité fiscale et territoriale, alimenter les réflexions sur la diversification de ses sources de revenus pour assurer un financement adéquat, stable et récurrent des services municipaux. Donc, Madame Olivier est à l'écoute, elle reconnaît les enjeux financiers qu'il y a à la ville. Vous l'avez rencontré, vous avez pu exposer directement à Madame Olivier les enjeux d'Outremont. Actuellement, de demander dans le contexte actuel que Outremont demande une augmentation de son budget à l'inflation, alors que les citoyens, quand on les entend, ils sont tous préoccupés par leur compte de taxes et de combien il va augmenter. Imaginez si ce soir, la dame qui est venue, on allait lui dire que ses taxes allaient augmenter de 7% pour pouvoir répondre à la demande que vous faites aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle aura apprécié cette réponse. Alors, les enjeux, ils sont grands, les défis sont grands. On s'est tous assis, on était nombreux aujourd'hui à s'asseoir pour trouver des solutions. À la fin de la journée, il y avait une sorte de consensus sur l'importance de travailler tous ensemble, toutes les parties prenantes à table pour une ville résiliente, solidaire et sécuritaire. Et je trouve prématuré de déposer une motion comme ça actuellement, plutôt que de faire l'effort de bonne foi, de travailler avec la présidente du comité exécutif qui tend la main à tous les arrondissements, à l'opposition, aux différents partis présents au conseil municipal de la ville de Montréal pour trouver des solutions ensemble pour mieux financer tout ce que nous souhaitons financer, que ce soit dans les arrondissements et dans les différents services municipaux de la ville. Alors maintenant, si vous avez des propositions de coupures où on pourrait couper, ce serait intéressant de les entendre. Je ne sais pas si vous en avez discuté avec vos collègues. Est-ce que Saint-Laurent, l'arrondissement de Saint-Laurent, est prêt à couper pour nous permettre d'augmenter notre dotation locale?
ça pourrait être... il va falloir trouver des solutions si on, si on demande à plus de budget, alors que malheureusement, il n'y en a pas pour tout le monde et tous les arrondissements ont, ont leurs besoins. Donc, actuellement, dans l'état actuel des choses... Je pense que c'est prématuré de voter sur une telle motion. Moi, je vous demanderais de la retirer et d'attendre les résultats du chantier de la fiscalité qui vient d'être lancé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, je... Monsieur le maire, juste pour être... Donc, oui. Vous avez un amendement, Madame Patro, vous proposez de retirer... Retirer. C'est l'amendement que vous proposez? Oui. OK, donc ça, c'est un amendement. OK. Appuyé ben, par... C'est-tu un amendement, ça, ou c'est juste une demande de... Ben, elle souhaite modifier... la motion? Ben, ça serait un amendement de le retirer, ça pourrait être... Ça pourrait pas être juste de voter contre. Parce qu'un amendement, c'est pas une modification. Ben, c'est une modification de la proposition principale. Donc, la proposition principale, c'est demander des budgets additionnels. Donc, Mme Patro propose de retirer la motion qui est prématurée. Donc, on pourrait retirer le dossier. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a une proposition d'amendement, c'est ça? Bien, c'est ce que j'ai entendu Mme Patro dire. Donc, ouais. Ce qu'elle propose, c'est de retirer la motion okay. qui est prématurée. Donc, là, j'appuie. Va... Je vote contre l'amendement. Parfait. Oui, alors... Je vais commenter, là, parce que je vais absolument voter contre là, cet amendement. Le c'est correct, c'est proposé, appuyé, donc puis, elle peut être commentée j'ai à ce moment-là. J'ai le droit de commentaire, oui. Parce que c'est ça. Donc, j'ai le droit de commentaire, de commenter. Donc, je vais voter contre absolument cet amendement. Pourquoi? Parce que, d'abord, les transferts que fait la Ville-Centre aux arrondissements, c'est un choix politique. C'est un choix de politique de est-ce que les arrondissements et à quel point les arrondissements vont pouvoir offrir des services de proximité déterminés par les besoins des citoyens de leur arrondissement. C'est un, la dotation, les transferts sociaux, c'est l'argent parle, alors ça démontre la vision que la Ville-Centre a sur l'avenir des arrondissements. Est-ce que les arrondissements, si on veut que les arrondissements puissent offrir des services de proximité pour leurs citoyens et citoyennes, ben, il faut fournir le financement pour le faire. Lorsqu'on ne fournit pas le financement pour le faire, donc on décide que les arrondissements n'offriront pas les services de proximité demandée par les citoyens et citoyennes de l'arrondissement. Donc là, c'est un choix que la Ville-Centre. Et la Ville-Centre ne fait pas un choix. Ce que vous dites, Mme Patro, c'est pas un choix entre arrondissements. C'est pas un choix entre Ville-Saint-Laurent contre Outremont ou contre un autre arrondissement. C'est un choix entre la Ville-Centre et les transferts aux arrondissements. Et là, je parle pas juste pour Outremont. Je parle pour tous les arrondissements. Et donc... Donc, dans ce sens-là, c'est un choix que la Ville-Centre fait. Et c'est une vision, comme je dis. C'est une vision sur l'avenir des arrondissements. Est-ce qu'on veut que les arrondissements satisfassent les besoins de services de leurs citoyens et citoyennes, ou est-ce qu'on veut que les arrondissements soient des coquilles vides et ne puissent pas fournir les services à terme, si ça continue comme ça, et ne puissent pas offrir les services. Et donc là, s'ils ne peuvent pas offrir les services, ben c'est quoi la solution? C'est qu'on centralise et qu'on fait disparaître les arrondissements. Donc, pour moi, c'est une question de philosophie et de choix politique et de choix sur l'avenir des arrondissements. Donc, c'est pour ça que je vais voter contre cet amendement. Je pense oui, c'est ça, c'est qu'on a déjà demandé le vote, mais est-ce que je suis votre guide? Pardon. Donc, ça a été proposé, appuyé, elle pouvait être commentée. Vous avez commenté, M. Le Maire, donc les conseillers peuvent s'exprimer. D'accord. Ils peuvent le faire pendant 15 minutes. Merci. Monsieur le Maire, je trouve que vous n'avez pas répondu à une question de Mme Patro. Avez-vous fait l'exercice de
de voir, de chercher où est-ce qu'on peut le couper, nous, avant d'arriver à ce motion. Et deuxièmement, je trouve que c'est vraiment précipité, ce motion, de ne pas attendre les résultats du chantier, du financement. C'est dommage qu'on n'attend pas les résultats de ce processus. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, en droit de réplique, puis je vais juste compléter ma réponse là-dessus, c'est que ce qu'on demande à la Ville-Centre, c'est de financer les arrondissements correctement pour offrir les services. Alors, c'est à la Ville-Centre de décider comment elle va faire ce choix politique. C'est pas, je peux suggérer des choses, mais c'est à la Ville-Centre qui va prendre la décision. Deuxièmement, nous, on a reçu une dotation, une augmentation de dotation de 2% cette année, 1% l'année dernière. Et nous allons apprendre le 29 novembre que la Ville de Montréal décide aussi leurs taxes et donc leurs revenus, quelque part entre 3 et 6 % d'augmentation, lorsqu'elle augmente la dotation de 2 %. Donc, clairement, il y a un déséquilibre fiscal. Clairement, on augmente les revenus à la Ville-Centre sans distribuer aux arrondissements. Donc, pour cette raison, je pense que j'ai donné assez de raisons là-dessus. Donc, je complète la réponse là-dessus. On passe maintenant à Mme Potvin, je pense qu'il doit... Je votais... j'appuyais. Non, c'était quoi donc? Mme Potvin. Juste répéter. Il y a eu l'amendement qui a été proposé par Mme Patrou, appuyé par Mme Pollack. Les conseillers se sont exprimés. On passe au vote. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'amendement qui est proposé par Mme Patrou de retirer la motion? Non. Moi, je suis contre. Parfait. Madame, maître Brown, vous êtes contre? Moi, j'ai déjà voté contre, je crois. Oui, mais le vote n'avait pas été appelé, mais vous l'avez dit tout de suite. Mais ah! C'est correct, vous avez voté contre, c'est bien, donc on le redit. Donc, mes excuses. Et Monsieur le maire, vous êtes pour ou contre? Je pense que c'est assez clair, je compte. Parfait. Donc, la motion est battue. Donc, on revient sur le vote de la proposition principale, telle que proposée par le maire Laurent Desbois et appuyée par Caroline Brown. Donc, on passe au vote, c'est ça? Donc, c'est appuyé, donc ça serait à voter par les conseils, parce que vous avez proposé, donc c'est ça. Oui, pour le commenter aussi déjà. Voilà. Okay. Donc, je vais demander à Mme Patrou. Donc, j'ai le droit de commenter? Demander le vote, non, vous n'avez plus le droit de commenter, okay. Le vote a été demandé. Je vais le commenter plus tard, mais je suis contre la... Vous êtes contre. La motion de... Mme Pollack? Contre. Donc, je suis pour. Donc, c'est Mme Potvin, vous êtes pour. Parfait. Donc, c'est adopté à la majorité. La motion Nouvelle-Outremont, oui. Donc, c'est encore une motion sur l'autonomie financière. Donc, ici, j'en ai parlé déjà, donc je serai bref, là, mais on a augmenté notre... territoire habité de 13 % une population probablement de façon équivalente, donc ça augmente les coûts pour l'arrondissement d'Outremont. Donc, attendu qu'avec la requalification du secteur du nouveau campus 1000, l'arrondissement d'Outremont a augmenté son territoire habité de 13 % sans aucune augmentation visant à pallier pour les ressources supplémentaires nécessaires à l'entretien et à la maintenance de celui-ci. Attendu que l'arrondissement verra au cours des prochaines années une croissance importante de sa population nécessitant un niveau de service supplémentaire sans que des ajustements des transferts centraux pour la dotation ne soient prévus. Attendu que l'arrondissement a connu un achalandage accru avec l'arrivée du nouveau campus 1000 de l'Université de Montréal et de sa nouvelle communauté comptant étudiants, professeurs et employés nécessitant des ressources supplémentaires afin de garder ses espaces beaux, bien entretenus et propres. Donc, la proposition est à l'effet que la Ville-Centre ajuste les transferts centraux liés à la dotation d'arrondissement en fonction de la hausse des coûts reliés supplémentaires engendrés par l'augmentation de 13 % de son territoire maintenant habité à entretenir et à maintenir, l'augmentation du service supplémentaire due à la croissance importante de sa population dans le secteur, l'arrivée du nouveau campus 1000 de l'Université de Montréal à Outremont. Donc, je propose. J'appuie. Nous allons passer au vote. Madame Potvin. J'appuie. J'aimerais intervenir. Ouais. Il est déjà appuyé, mais... Ouais. Est-ce que vous permettiez aux conseillères de s'exprimer avant le vote, monsieur? Oui, bien sûr, absolument. D'accord, je comprends, oui. Mais oui, Madame Patrou. Merci. Désolée. Donc, alors, je voulais juste revenir sur le fait que l'arrondissement a de l'espace fiscal supplémentaire. Hein. Vous mentionniez que la ville...
on ne sait pas encore le taux de taxation pour l'année 2023, mais on sait celui pour par rapport au service de l'arrondissement. Il y avait encore de l'espace. Donc, en termes d'autonomie, vous avez une certaine autonomie, mais là, il faut un certain courage politique pour l'appliquer. Alors, je comprends que vous n'êtes pas allé là-dedans. Mais pour en revenir à la motion qui est sur la table actuellement par rapport au développement du territoire de l'ancienne gare de triage, c'est effectivement depuis maintenant à peu près un an, les résidents sont arrivés. Ce territoire est habité de jour comme de nuit. Donc, on a des nouveaux citoyens qui s'y trouvent et puis donc des besoins qui augmentent, des besoins de services qui augmentent. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai voté pour cette motion. Merci. Donc, on passe au... Si on a déjà passé au vote, là, si... Vous n'avez pas demandé le vote, mais... Mais c'est ça, le vote Madame est déjà là. D'accord. Madame Polak. Pour. Et il restait moi. Ou non, c'est... Je vous proposez donc tout Madame Potvin, tout le monde a déjà voté. Donc c'est unanime. 65.03. Allez-y. Okay. Je pense que je suis la seule qui n'a pas un micro automatique. Donc c'est la motion dont j'ai parlé en ouverture. Alors c'est le programme qu'on appelle Outremont Chauffons Verts. Attendu que dans le cadre de sa lutte au changement climatique et de ses objectifs d'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, l'arrondissement d'Outremont a mis en place un comité aviseur dont le but était d'émettre des recommandations au conseil d'arrondissement d'Outremont afin d'atteindre cette cible. Attendu que selon l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre publié en 2020, le mazout de chauffage est responsable d'environ 31% des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel et le gaz naturel de 37%. Attendu que selon l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre d'Outremont déposé au conseil d'arrondissement en septembre 2021 et amendé en mars 2022, le mazout de chauffage et le gaz naturel sont responsables d'environ 42% des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel et commercial et industriel d'Outremont. Attendu que le citoyen expert Éric Saint-Pierre et la firme Donski ont présenté un programme dont le but est la décarbonisation des bâtiments. Attendu que le groupe de travail en urgence climatique d'Outremont, composé de 15 citoyennes et citoyens, a jugé que diminuer la dépendance d'Outremont face aux hydrocarbures était la priorité et que ce même groupe a travaillé sur des actions allant en ce sens. Attendu qu'une consultation publique portant sur la feuille de route vers des bâtiments zéro émission dès 2040 est à venir prochainement à la Ville de Montréal. Attendu que les mesures incitatives et la tendance naturelle à la réduction de la consommation du mazout de chauffage et gaz naturel sont insuffisantes. La proposition est à l'effet qu'Outremont annonce une vaste campagne de sensibilisation et d'information Outremont Chauffons Verts qui déboutera au printemps 2023. Qu'Outremont, dans le cadre de ce programme, examine la possibilité de diminuer les coûts pour un permis de rénovation pour certains types de travaux lorsque le demandeur fait au même moment la conversion de son système de chauffage au mazout et ou au gaz naturel vers des énergies renouvelables. Le cas échéant, la motion sera présentée au conseil municipal pour demander l'adaptation de son règlement afin d'atteindre les mêmes objectifs. Qu'Outremont, dans le cadre de ce programme, évalue les facilitants à mettre en place pour encourager d'autres énergies renouvelables et l'atteinte de l'efficacité énergétique des bâtiments. Entre parenthèses, isolation, panneaux solaires, géothermie, etc. Qu'Outremont, dans le cadre de ce programme, offrira une certification maison certifiée Outremont Chauffons Verts pour les résidences ayant fait la conversion. Qu'Outremont, dans le cadre de ce programme, concevra un feuillet d'information contenant des conseils pour faciliter la transition, incluant entre autres une liste de toutes les subventions disponibles qui sera distribuée aux résidents et résidentes de l'arrondissement. Donc, je propose. Pardon, je peux citer des commentaires. Oui. Madame Patron. Moi, j'aimerais intervenir juste pour informer les citoyens qui nous suivent encore, qui sont encore présents dans la salle, que par rapport à la consultation publique de la Ville de Montréal sur la feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040 et a été publiée aujourd'hui. Et la première soirée d'information a lieu le 17 novembre, le jeudi 17 novembre 2022 à 19h à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et donc, je vous invite, évidemment, c'est
en présence ou en web diffusion pour avoir accès à l'information qui sera présentée dans le cadre de cette consultation publique. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, vous passez au vote. Donc, Madame Patrou. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, 65.4, la dernière motion. Alors, cette fois-ci, c'est à mon tour. Merci. Oui. Alors, je me lance. Attendu que la participation citoyenne de l'ensemble de la population montréalaise est essentielle à la vie démocratique montréalaise et que celle-ci s'exerce de plusieurs façons. Attendu que l'article 5 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités stipule que la participation des citoyennes et des citoyens aux affaires de la ville contribue au renforcement de la confiance envers les institutions démocratiques, au renforcement du sentiment d'appartenance à la ville ainsi qu'à la promotion d'une citoyenneté active. Attendu que la stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017 de la ville de Montréal veut favoriser le renforcement d'une jeunesse engagée, adéquatement formée, physiquement et culturellement active, épanouie, reconnue dans son milieu de vie. Attendu que le Conseil jeunesse de Montréal a été créé en 2002 pour assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'administration municipale. Attendu que les instances municipales doivent être des espaces de communication, d'ouverture et d'échange qui doivent se tenir dans le plus grand respect. Attendu que la vie démocratique est fondamentale et doit se cultiver dès l'enfance et l'adolescence et que les jeunes sont les adultes de demain et qu'ils connaissent autant que quiconque leur milieu de vie, leurs besoins et les enjeux qui les préoccupent. Attendu que l'arrondissement est le palier de gouvernement le plus près de la population et qu'il est donc pertinent de faire appel à ce segment de la population dans le cadre de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Attendu que l'arrondissement d'Outremont compte près de 37% de personnes de moins de 25 ans selon le recensement canadien de 2016. Attendu qu'un conseil jeunesse d'arrondissement a pour mission de conseiller la mairesse ou le maire et les élus sur les enjeux de la jeunesse et de s'assurer de la prise en compte des préoccupations de ce groupe dans les décisions de l'arrondissement. Attendu qu'en 2021, 8 arrondissements montréalais comptaient un conseil jeunesse, Annecy-Cartier-Ville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, La Chine, La Salle, Montréal-Nord, Pierrefonds, Roxborough, le Sud-Ouest et Verdun. Attendu que Concertation Montréal vient de publier un guide pratique pour la création d'un conseil jeunesse d'arrondissement et offre du soutien aux arrondissements dans leur cheminement. La proposition est à l'effet que de créer un conseil jeunesse dans l'arrondissement d'Outremont en 2023, que la composition du conseil jeunesse d'Outremont reflète la représentativité de genre et la diversité géographique, linguistique, ethnoculturelle et sociale de la jeunesse montréalaise et de l'arrondissement d'Outremont, de nommer 2 élus responsables, à savoir Mesdames Pollack et Braun, afin d'assurer un contexte apolitique, de bénéficier du soutien apporté par Concertation Montréal pour la mise en place de ce conseil jeunesse à Outremont et de donner le mandat à la direction de l'arrondissement de proposer un budget et les ressources nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du Conseil jeunesse d'Outremont. Alors, je propose. Et j'appuie. Donc, je passe à des commentaires avant qu'on passe au vote. Sinon, on passe au vote. Madame Braun. Je suis pour. Madame Potvin. J'appuie. Et je suis pour. Donc, ça conclut cette soirée. Donc, merci beaucoup pour les gens qui sont restés en salle. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont écoutés en visioconférence. Et on vous souhaite un beau mois de novembre. Merci, bonsoir.